Bonsoir à tous, welkom iedereen. Dus we hebben vanavond drie prestigieuze gasten om te discussiëren over de gevolgen van de COVID-19, van de financiële gevolgen van de COVID-19. Ten eerste, meneer Ivan van de Kloot. Meneer van de Kloot, u bent hoofdeconoom van Itinera en executief professor economie aan de Universiteit Antwerpen. U bent gespecialiseerd in fiscaliteit, publieke financiën en goed bestuur. U bent dikwijls uitgenodigd om commentaar te geven over financiële en economische gebeurtenissen. En u hebt een vaste kolom in de Tijd over deze thema's. Ten slotte hebt u ook verschillende boeken geschreven, waaronder Taxshift in 2016, Overheid plus Markt in 2020. Boeken waarin u respectievelijke rollen onderzocht over de overheid, de markt, de individuele burger in de transformatie van de economie en van de maatschappij. Nous avons aussi Monsieur de Calataille. Monsieur de Calataille, vous êtes diplômé de l'Université de Namur et de la London School of Economics. Vous avez travaillé à la BNB et puis au Fonds monétaire international, au FMI. Vous avez été également chef de cabinet adjoint de Jean-Luc Dehaene. Et chef du cabinet des ministres de Finances en 99. Vous êtes ensuite passé à la Banque de Grove et puis avez fondé la société Orcadia Asset Management, société de gestion de patrimoine. Et comme Monsieur Van de Kloot, vous êtes également un auteur puisque vous avez rédigé notamment un livre intitulé Confession d'un économiste ordinaire, Comprendre la crise financière pour en tirer les leçons en 2009. Et vous êtes également plus récemment l'auteur d'un livre qui s'appelle The Return of the Deficit. Voilà. Alors, pour animer tout ça, il fallait quelqu'un de la profession, Monsieur de Borsu. Monsieur de Borsu, vous êtes journaliste, vous êtes passé par la RTB, vous êtes aujourd'hui sur RTL, où vous animez notamment une émission qui s'appelle, ce n'est pas tous les jours dimanche, c'est C'est ça? exactement ça. Et 14h et 13h tous les dimanches. surtout à ne pas manquer. Clairement. Et alors, vous avez également cette particularité d'être particulièrement bien connu côté francophone, mais également côté néerlandophone, où vous avez également participé à diverses émissions en tant que journaliste, et vous avez également écrit des livres au sujet, notamment des Wallons, qu'il fallait présenter de manière un peu plus détaillée à la population néerlandophone. Voilà, je vous laisse animer ceci, je vous remercie déjà beaucoup. Il y aura des questions ici dans la salle, et puis des questions principalement en ligne. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, super dank, Mr. Dupont, dank, dames et heren. Bonjour à toutes et à tous dans la salle et de l'autre côté de l'écran. Dank voor deze mooie woorden, uiteraard. Aarzel dus niet om vragen te stellen, hoe lastiger, hoe beter. Ik zal ze aan onze gasten stellen en ik zal ook mijn best doen om wat lastig te zijn. Enfin, lastig, ik bedoel, lastige vragen te stellen. Lastig zijn, dat is nog iets anders. On va donc effectivement parler de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui s'est passé hier, hein, au niveau de ces finances. Et bien évidemment, vos questions sont importantes, je le redis, dans toutes les langues possibles. Laten we dus eerst naar het verleden kijken. Het koste wat kost, koste wat het kost, vooral om het heel duidelijk te stellen. Pouvions-nous faire autrement que quoi qu'il en coûte, d'après les mots d'Emmanuel Macron? Kortom, heeft men te veel uitgegeven? Heeft men de put te diep gegraven, meneer Van de Kloot? De overstromingen, Ja, COVID nu? als we dat allemaal hadden kunnen voorbereiden, hadden we dat efficiënter gedaan. Hadden we dat gerichter gedaan en hadden we niet het geld zo breed verspreid, maar meer waar de echte noden waren. Maar dat is natuurlijk altijd achteraf gemakkelijker dan wanneer je in het midden van de crisis zit. Op dit moment is het belangrijkste wat we nu gaan doen. We willen een relance, maar daar gaan we toch wel echt wel inzetten op selectiviteit, op zaken die. We hebben duidelijk, er is een verschil belangrijk tussen tijdelijke uitgaven die zichzelf terugverdienen omdat die slimme investeringen zijn, die krikken de economie op en dan betalen die zichzelf terug. En dat is alleen maar ook als je dat tijdelijk doet, tijdelijke uitgaven. Wat we niet moeten doen, zijn allerlei maatregelen beslissen die duurzaam en systematisch veel geld kosten zonder dat ze in de toekomst echt een verschil maken. Ja, en hebben we dat op uw manier, in uw ogen goed gedaan? Of Wel, bent u een ik fan denk, geworden van er is Thomas een Dermin, verschil in ja? er is een verschil tussen de periode onder COVID, dat is Ja. eigenlijk een inkomensondersteuningsbeleid Ja. geweest.
het ondersteunen van mensen die waarvan de overheid zei, u mag niet opereren. Ja, de overheid verbiedt hen te functioneren, dus dan is daar een ander verhaal. Nu moeten we, en daar klopt het toch niet helemaal. Thomas Dermin zegt, ja, maar de Europese Commissie kijkt mee over onze schouders, is heel kritisch. Wel, ik kan uit eerste hand getuigen. Uit eerste hand? Ja, dat Wie? Betekent dat ik daar zelf ook in sommige comité's betrokken ben geweest. Goed. En ik heb daar eigenlijk wel veel dingen zien passeren, waarvan normaal zeg je, dat zijn slimme investeringen. Daar maken we eerst een evaluatie van, een goed plan, een goede studie, en dat is niet gebeurd. Laat ons een kat een kat noemen, meneer Van den Kloot. Wat bedoelt u? Hebt u een concreet voorbeeld? Want dat zijn woorden. Laat ons daden hebben, voorbeelden. Heel concrete voorbeelden. Wel, er zijn zelfs, er gaat geld naar de NMBS. En zo, voor mij is dat eigenlijk nodig, een quid pro quo. We kunnen geld in NMBS investeren als er ook een beter bestuur komt van de NMBS. Maar dan moet je ook spreken over de politisering van de Raad van Bestuur. Het is functie. De dysfuncties bij de NMBS. En dat is een quid pro quo die ik vaak vroeg en zocht en die er niet altijd gekomen is. We kunnen u geld geven omdat u daar mee kan investeren, maar dan moet u wel eigenlijk in ruil, dysfuncties die we al decennia kennen soms, ook in Vlaanderen bij de lijn. We kennen die decennia lang al en er is nu geen echt momentum om die te verbeteren. Oké. Dus geen grote onderscheiding van Thomas Dermin, die nogthans Arvard heeft gedaan. En die, ja, ik weet niet of hij trouwens een grote onderscheiding heeft behaald bij Arvard. Weet u dat? Vous êtes un bon étudiant, vous aussi. Hein? Et vous êtes aussi un excellent professeur, M. Takalata. Un de mes fils a eu la chance de vous avoir. Est-ce qu'on a trop dépensé? Est-ce qu'on s'est laissé aller? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment regardé? Ou comme le disait aussi M. De Claude, il fallait, on parle de 30% de la population qui était en difficulté, finalement 70% s'en est très bien sorti. Quid? Alors, je ferai une double distinction. D'une part, entre des dépenses ou une politique, parce qu'on peut aider les gens à travers des dépenses accrues, comme au départ de soulagements fiscaux, je ferai une distinction entre des politiques visant les personnes, les ménages, comme on dit dans le vieux jargon de l'économie, d'une part, les entreprises, d'autre part. Première distinction. Deuxième distinction, les mesures de soutien à l'activité, les mesures de relance, d'autre part. Je pense qu'on fait un petit peu un mélange de tout ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'est largement trompé sur la nature de la crise. Monsieur Ah bon? Macron, puisque vous le citiez, dans une première intervention médiatique auprès des Français, a dit « nous sommes en guerre ». Peut-être que psychologiquement, c'était indiqué, mais d'un point de vue économique, ce n'était pas correct. D'une guerre, on se relève avec des générations de jeunes travailleurs qui ne reviennent pas du front ou qui reviennent éclopés. On se relève avec des routes détruites et des ponts détruits et des machines détruites. Rien de tout ça, nous le savions. Attention, M. de Calatana a quand même eu 20 000 morts en Belgique. On est à 22 23 000. La Première Guerre mondiale, c'est 50 000. C'est pas beaucoup plus hein, au niveau des soldats, en tout cas. Enfin bon, allez, continuons. Pas politiquement correct et reprendre un propos d'André Comte-Sponville qui se permettait, tout en n'étant pas économiste, d'attirer l'attention sur le fait que l'âge moyen, et ce n'est pas pour manquer de respect vis-à-vis des personnes, comprenez-moi bien, mais l'âge moyen au décès des personnes du Covid, à l'époque, en France, quand il s'est exprimé, c'était 81 ans. C'est pas loin chez nous. Hein. En plus, il y a eu 50 000, c'était uniquement les soldats, il y a eu des morts civiles. Voilà, donc, la jeune génération, les travailleurs actifs, donc on savait, on aurait dû savoir que le potentiel productif n'allait pas être entamé de la même manière. Mais donc, qu'on ait beaucoup dépensé pour aider les personnes, aucun souci. On est beaucoup dépensé pour aider les entreprises. Là, j'ai un vrai problème parce qu'en fait, on est en train d'effacer tout blur. Hein, il y a un estompement de ce que c'est une économie de marché. Dans une économie de marché, il y a une prise de risque qui, à mes yeux, est légitimement rémunérée. Ben, s'il y a prise de risque. Mais ça ne peut pas être un jeu dans lequel c'est pile je gagne, face je ne perds pas. Ça, c'est un jeu qui ne convient pas parce que ça, c'est semer les germes d'un rejet du système. Donc, on n'a pas été libéraux dans la manière dont on a aidé nos entreprises. Quel est le problème et comment pouvez-vous, comment ça s'est passé? J'ai un excellent exemple. Surtout. Delta Airlines, mais prenez-nous, Lufthansa. Lufthansa, dans les années pré-Covid, a été d'une générosité à l'encontre de ses actionnaires sans commune mesure. On nous a appris la fable de la fontaine, il y a des cigales et il y a des fourmis. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a ces entreprises qui ont super leveragé leur bilan
quand tout allait bien, ont gardé un minimum de fonds propres, n'ont absolument pas mis des noisettes de côté pour les périodes difficiles, ont généreusement rémunéré leurs actionnaires. Et puis, quand elles se retrouvent bien dénudées face aux crises qu'elles connaissent, elles font appel à l'État. Non, ça, je trouve que ce n'est pas correct parce que c'est donner de très mauvaises incitations. Et pour un économiste, l'incitation, c'est fondamental. Aujourd'hui, l'entreprise qui met de l'argent de côté pour les années difficiles, elle est vraiment en saute. Hein, parce qu'elle va dire, ah bah oui, regardez la précédente crise. Ah bah oui, puisque la précédente fois, quand ceux qui n'avaient rien mis de côté, ils ont été sauvés. Et donc, je pense qu'il aurait fallu procéder dès le début à une sélectivité, notamment sur la base de ce comportement pré-Covid. Les entreprises qui avaient sciemment fait remonter beaucoup de l'argent à leurs actionnaires, là, je trouve que, ok, désolé, il faut pas les aider. Donc ça, c'est la première distinction que je ferai. Par ailleurs, au trait, vous demandiez comment donner des bons ou des mauvais points à Thomas Dermin. Je pense que c'est un petit peu mélangé ce qui a été fait au moment du soutien de l'activité. On va parler de la relance après, de toute façon. Et la relance. Bien sûr, et ça, on va en parler, bien sûr. Toch een commentaar, Ivan, over het feit dat sommige bedrijven die het niet verdienden geholpen zijn. Is het zo? Is het een probleem naar de toekomst toe? Had ik meer een quid pro quo genoemd. Dus als we Lufthansa steunen, dan hadden we bijvoorbeeld kunnen zeggen, wij discussiëren al decennia met de luchtvaartindustrie dat zij te vervuilend zijn, dat zij kerosine gebruiken en dat zij hun vliegtuigen efficiënter moeten maken, zodat er minder CO2-emissies zijn. Wel, nu hadden ze de steun nodig van de belastingbetaler. Dan moet je een quid pro quo, dan moet je zeggen, wij kunnen overwegen om u op een selectieve manier te ondersteunen, tijdelijk, maar dan moeten er echte engagementen komen op het vlak van emissies. En dit soort, ja, dat is een crisis, is ook een opportuniteit om veranderingen te realiseren die in normale tijden niet gebeuren. Ja, voilà, dus misschien een afspraak met de geschiedenis gemist. Laten we het nu toch over het heden hebben. Hè. De schuld is wat die nu is. Hoe zwaar weegt de schuld en is die schuld draagbaar? Is die schuld mogelijk terug te betalen? Is omvangrijk. Die is 115% van het nationaal inkomen. Dus elk kind wordt hier geboren met een rugzakje van de vadertje staat. Van wel, ja, een hele hoop geld. Dat is toch wel gemakkelijk, 40.000 euro en meer. Nu, dat is 40.000 euro per Belg. Van hier begint dat te tellen. Ja. Het punt is natuurlijk, er is een grotere verhaal over de openbare financiën in België. We hebben structurele tekorten. Dus we hebben niet alleen een tekort omdat het slecht gaat met de economie. Er zijn lage belastinginkomsten en tijdelijke uitgaven. Nee, wij zijn het land met een van de hoogste structurele problemen. Structurele tekorten op de begroting. Dat is ook voor een stuk omdat we voor de crisis al slechte financiën hadden. En het probleem is natuurlijk, we hebben lage rente. Maar dan moeten we spreken natuurlijk over de centrale banken. De centrale banken in Europa, maar ook elders, die hebben eigenlijk zichzelf in problemen gewerkt. Ze hebben sinds de financiële crisis een te lax monetair beleid gevoerd. Een te lage rente. Ze hebben altijd gelijk om te zeggen, in het midden van de crisis moeten we wat steunen, maar dan moet je sneller normaliseren. Want anders zit je met die hoge overheidsschuld. Een overheid die in goede tijden niet gestimuleerd wordt om spaarzaam te zijn. Dus door die te lage rente. En dat is moral. Hè? Dat is een probleem van dat men niet gestimuleerd wordt om te sparen. Ook bij de overheid. En het probleem is natuurlijk, vandaag zegt men, de centrale bank moet de rente kunnen vrij bewegen in functie van wat de economie nodig heeft. Als de inflatie stijgt, dan moet de centrale bank in staat zijn om de rente te verhogen. Ja. Maar op dit moment zit ze gevangen. Zij moet haar rente laag houden, want de staat heeft zoveel schuld. En dat is niet de bedoeling, dat de centrale bank eigenlijk geen bewegingsruimte meer heeft. Zij heeft zich, maar dat is haar eigen fout, zij heeft zich te soepel gedragen in het verleden. Ja, door dat te soepele houding hebben de staat te veel geleend. En nu, we kunnen de rente niet verhogen, want dan zitten de overheid met een financieringsplan. Een vicieuze cirkel. Ja. U hebt het over de structurele schuld van België die hoger is dan in de rest van Europa. Waarom is dat? Omdat er al voor de crisis structurele tekorten waren. Dus dat is niet allemaal te wijten aan COVID.
En dat heeft bijvoorbeeld te maken met ons pensioenkostverhaal. Ah. De pensioenkosten nemen miljarden toe. Meer dan in de rest van de wereld, of van Europa. In veel landen nemen het niet toe, maar wij doen weinig. Terwijl in andere landen zijn er... Maar we hebben blijkbaar te lage pensioenen nogthans. Ja, maar we hebben wel... Weet u op welke leeftijd, op welke lengte van carrière de gemiddelde werknemer heeft in dit land? 33 jaar. Terwijl... Er zijn landen in onze naburige omgeving die 41 jaar lang carrière hebben. En dat is een probleem. 80% van de ambtenaren stoppen met werken voor 65. Bijvoorbeeld de zelfstandige is dat maar 20%. En dat heeft dus ook met eerlijkheid te maken. We moeten die verschillen tussen die statuten, nee, we moeten allemaal ons eentje bijdragen. En als 80% van de ambtenaren vroeger stoppen dan zelfs werknemers en zelfstandigen, dan zitten we ook met een eerlijkheidsprobleem. Die 33 jaar lengte van een carrière is echt iets uitzonderlijks. Dat is iets laag, minder dan in de Scandinavische landen. Ah, bijvoorbeeld, interessant. En het is niet dat er iets in ons water zit, waarom wij voor de definitie van natuur integendeel, niet zouden kunnen werken. Integendeel, spa-water is super. Chauffontaine, enfin, en al de rest. Voilà, Valvert. Monsieur de Calataille, Monsieur de Calataille, vous êtes d'accord avec ça? Enfin, on a déjà parlé de beaucoup de choses, hein, mais ma question de base était effectivement d'abord si cette dette était supportable, hein, 115% effectivement, on n'est même pas 117, enfin bon, dans ces eaux-là, on est pas mal. Enfin, bon, là, c'est vrai que beaucoup de pays européens ont le même problème que nous, quid? Avant ça, pour embrayer sur ce qu'Yvan a dit et accentuer, en fait, si l'on est critique par rapport à certains à une générosité liée à une absence de sélectivité ou de ciblage dans ce qui a été fait pendant la crise de la Covid, notre sévérité doit être encore plus grande dans le jugement des politiques budgétaires d'avant. Donc, en d'autres termes, l'histoire sera sévère par rapport à Charles Michel. Sur le plan de la compte aussi, peut-on et de Guy-Borsat aussi, oui, ces deux-là cumulent. Et en ce faisant... Pas de Jean-Luc Dehaene, il me semble que vous êtes un petit peu partie prenante d'ailleurs, oui, M. de Calataille. Je suis, voilà, paix bon. À son âme. Ça, sans aucun doute. Mais en fait, Jeff Buchelen, qui est un ancien de la VUB, plutôt tendance OpenVLD, a à l'époque montré que les gouvernements avec les libéraux au pouvoir géraient moins bien, moins de manière. Laisser un peu plus aller le déficit. C'est une étude un peu ancienne, hein, c'est je pense. C'est une idée ancienne, ouais. mais que l'on retrouve. En fait, je pense que, prenons le mental pour le connaître un petit peu et apprécier l'homme, mais notre ancien ministre NVA des Finances, il a raisonné comment, voilà, pour le citer, ben il s'est dit, moi je pense qu'il faut réduire le poids de l'État dans notre économie, la meilleure manière de faire, c'est de commencer par réduire les impôts, comme ça on se met deux au mur et on sera obligé de réduire les dépenses. Ah, alors, oui, c'est raisonnement comme ça. Ah, ça bon, pour moi, c'est comme ça. Okay. Alors que la logique de la discipline budgétaire voudrait dire, ben, on diminue d'abord les dépenses et puis on peut se permettre de diminuer les impôts. Mais je pense que, bon, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une logique politique, c'est plus agréable de commencer par diminuer d'abord les impôts. Hein, on sera d'accord là-dessus. Donc, il y a peut-être un début de clientélisme populiste. Ça n'a pas marché d'ailleurs, hein, puisqu'ils sont passés de 32% à 25%. Enfin, bon, voilà. Mais donc, effectivement, ouais. Ceux qui suivent par exemple l'impôt des sociétés savent très bien que la manière dont on a financé la réforme de l'impôt des sociétés en Belgique pendant ces années-là, c'est en surcalibrant l'économie budgétaire qu'on allait faire de la réforme ouais. du système des internationaux. Mais donc, c'est pour dire, voilà, ça c'est le passé, mais bon, donc, il faut être sévère par rapport donc, au on passé. On n'a pas saisi la chance et résultat, on est devant le mur. On est bien démunis quand la crise vient. Première dimension. Deuxième dimension, aujourd'hui, est-ce que c'est soutenable? Vraisemblablement que non. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas nous permettre une même générosité publique avec un même niveau de pression fiscale. Il y a un moment où il va falloir soit couper dans les dépenses, soit augmenter les impôts. Mais sur base de ce qu'il est raisonnable de projeter à un horizon de 30 ans, les choses ne s'additionnent pas. Donc, il faudra accepter un État plus modeste, plus ciblé, peut-être plus efficace, hein, ou de payer davantage d'impôts. Oui, avec la Wallonie qui est à ce niveau-là dans une situation absolument apocalyptique avec la COP. Enfin bon, là, c'est le petit côté francophone, on va pas le faire longtemps. On a des téléspectateurs qui viennent de toute la Belgique, mais là, on a un souci absolument majeur. Maar het is inderdaad zo dat internationaal... Vlaanderen is ook geïnteresseerd. Er zijn landen met een slankere, kleinere overheid, maar die krachtiger is. Een overheid die efficiënter is. En ook in de coronacrisis, bijvoorbeeld Duitsland, heeft de coronacrisis in zijn algemeenheid beter beheerd dan België, met een kleinere overheid. Zijn er veel minder ambtenaren in Duitsland? Ja, het
overheidsbestand. Ja, ja. Het aandeel van de overheidsuitgaven in het nationaal inkomen is direct 5% en meer, minder in Duitsland dan bij ons. En dat, het is ook een slimmere overheid met een goed, beter, maar dat is natuurlijk een eenvoudiger land, zegt men dan, met een slimmer federalisme, laten we het zo noemen. Wij zitten met het antagonisme tussen twee blokken en daar heeft men het meer gelijke federalisme tussen deelstaten, alhoewel natuurlijk Beieren ook wel een heel groot gewicht heeft. Maar in elk geval, een kleinere overheid kan ook veel beter, efficiënter, effectiever zijn. Ik zeg niet dat dat altijd zo is. Maar het hoeft niet zo te zijn dat als we, de overheid soms doeltreffender maken en kleiner, dat die dan minder efficiënt zal zijn. Dus we kunnen het met minder ambtenaren, dat zegt u nou, wij moeten vandaag. Ik bedoel, wij hebben de hefboom van bijvoorbeeld de digitalisering. Aha. Die kan in vele overheidsdiensten een grote hefboom zijn om met minder ambtenaren hetzelfde werk te verrichten. Oui, Pierre Winch a aussi d'ailleurs parlé de ça hein, au niveau de la Banque nationale en disant qu'on était presque un pays communiste au niveau. Mais là, c'était surtout la Wallonie qu'il disait une fois encore. On ne va pas être très wallon aujourd'hui, hein, mais quand même, pour terminer là-dessus. La Banque nationale vient de sortir une étude qui est à l'échelon fédéral, national, et qui met en avant effectivement un excès, en termes de comparaison, ce n'est pas un jugement de valeur qu'elle fait, un excès de dépenses et pointe en particulier deux domaines. D'une part, la masse salariale. Des fonctionnaires, donc, des fonctionnaires, mais en ce compris les enseignants, et d'autre part, un excès en termes de subventions aux entreprises. Ah bon ? Subventions aux entreprises, c'est un terme qui, en termes méthodologiques, est un petit peu ambigu, parce qu'en Belgique, quand on accorde certaines réductions de cotisations sociales, c'est bizarrement enregistré à la fois comme une recette virtuelle et une dépense de subventions aux entreprises. Là où dans n'importe quel autre pays au monde, eh bien, si au lieu de vous faire payer 33% de cotisations sociales, on vous en demande 25, ben on enregistre 25. Ben, en Belgique, c'est comme si on enregistrait 33 côté recettes et 8 côté dépenses. C'est la demande des syndicats, parce qu'ils ne voulaient pas me montrer que certaines des réductions de cotisations sociales étaient permanentes. Ils voulaient montrer que c'était entre guillemets un cadeau aux entreprises, et donc ont insisté pour que ce soit enregistré. Donc, ce n'est pas une vraie dépense. Quoi. Donc, voilà. Les comparaisons sont à prendre avec un petit facteur. Want bijvoorbeeld, ook in Vlaanderen zien we, de Vlaamse overheid heeft aangetoond dat 30% van haar uitgaven van de Vlaamse overheid subsidies zijn. En dit is veel meer dan bij onze buurlanden. Mm. En ik heb het in mijn recente boek, staat overigens ook in het Frans. Détail marché, hoeveel kost het? 25 euro. 25 euro, dus zeer goedkoop, echt een goede zaak. De punt is dat de uitgaven, de subsidies in ons land echt enorm gestegen zijn over de voorbije 20 jaar. Bijvoorbeeld in Duitsland zijn die onder het procent van het nationaal inkomen gebleven. Ook in Nederland zijn die stabiel gebleven. Bij ons zijn die ook rekening houdend met die loonsubsidies enorm gestegen. Ja, om in te gaan op wat meneer De Calata zei, bent u ook ongerust over de terugbetaalbaarheid van onze schuld? Dat het we toch voor een groot probleem zullen zitten in de komende jaren? Het is ook een cultuurprobleem. Dat is niet iets dat uit de lucht valt. Nee, we hebben een bestuurscultuurprobleem en een budgetair cultuurprobleem. Dit is eigenlijk, België slaagt er niet in om structureel inspanningen te doen. En dat is een oud probleem, dat bestaat al 20 jaar. Maar als we onze kinderen en kleinkinderen in de ogen willen kijken, zowel overigens ook op ecologisch vlak, maar ook op budgetair vlak, op het vlak van de schuld die we overerven, dan moeten we ook daar iets aan doen. Is het mogelijk geweest? Pour l'homme politique pour lequel j'ai travaillé dans les années 90, il a été possible de faire un effort budgétaire tout à fait conséquent dans ce pays. Donc, n'imaginons pas que c'est quelque chose qui nous est interdit. Je ne dirais pas que ça demande que 5 minutes de courage politique. Il faut du courage dans la durée et il en faut beaucoup. Mais il y a moyen, on n'est pas condamné. Et ce qui est vrai sur le plan budgétaire pour la Belgique est vrai d'un point de vue macroéconomique au sens large. Souvenons-nous d'une période, c'était les mêmes années 90, où l'enfant malade de l'Europe, c'était un pays qui s'appelle l'Allemagne. Effectivement, ce n'est plus le cas maintenant, et la Belgique l'est toujours un petit peu. Om toch heel concreet te zijn, pour être vraiment très concret sur les soucis que vous avez, parce que vous l'avez dit, on va vers quoi? Donc on va devoir, à un moment donné, effectivement, faire ces efforts structurels. On est un pays qui n'aime pas la révolution, hein, même à partir dont on pourrait croire que c'est le cas, la NVA parle toujours d'évolution et pas de révolution, c'est très belge. Il va falloir aller plus loin que ça. Pour l'instant, on se met gentiment dans la gueule du loup.
On se met gentiment dans la gueule du loup. C'est un petit peu que. C'est le oxymore. Hein, voilà. Voilà. C'est comme parler de sucré salé ou un silence assourdissant. Eh bien, voilà, c'est gentiment se mettre dans la gueule du loup parce qu'en fait, pour l'instant, nous n'en souffrons pas. Nous sommes un peu comme la grenouille qui se fait cuire à feu doux. Mais pour l'instant, les gaz ne sont même pas allumés. Je m'explique de quoi je parle, du niveau des taux d'intérêt. Et je fais le lien avec ce qu'il en a évoqué aussi en termes de politique monétaire. Ouais. Aussi longtemps que les taux d'intérêt sont là où ils sont, c'est-à-dire à zéro, qu'on imagine qu'ils vont rester là, alors il y a zéro problème. Moi, petit Étienne que je suis capable de supporter une dette de 10 000 milliards sur les épaules. Hein. Si elle est perpétuelle à taux d'intérêt zéro, il n'y a pas de souci, je prends. Bien sûr. Voilà, donc parce que voilà, une dette colossale, mais que je peux financer à très 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 long terme à taux d'intérêt zéro, c'est comme pas de dette. Donc ça, c'est facile. Mais en quoi est-ce qu'on se met dans la gueule du loup? C'est que, en fait, nous ne contrôlons pas les taux d'intérêt. On va parler de ça. Ouais. Nous ne sommes pas un pays fermé, communiste, etc. On est une petite économie ouverte. Et donc, les taux d'intérêt, ce n'est pas nous qui décidons. Demain, il peut y avoir un changement dans la composition ou dans la manière de voir les choses au sein de la Banque Centrale Européenne. Il peut y avoir un retour en grâce d'un certain discours orthodoxe sur le plan de la politique monétaire et on serait gros gens. Il peut y avoir une panique sur les marchés financiers, une panique autoréalisatrice. Vous vous souvenez, on est en 2008. Il a fallu faire venir des camions de billets d'Allemagne parce que tous les petits Belges s'étaient précipités pour retirer leur argent au distributeur Fortis parce qu'ils avaient entendu que Fortis, ça allait mal. Donc, on a donné instruction aux journalistes de ne pas en parler parce que ça n'allait pas agiter la population. Mais c'est ça qui se passait. Et ce genre de prédiction, c'est autorisatrice. Si tout le monde prend peur sur une banque donnée, eh bien, ça va être la faillite de cette banque. Même chose pour les taux d'intérêt. Si nous pensons tous que ce ne sera pas remboursable, on ne voudra plus prêter à l'État et l'État sera évidemment confronté à de très grandes difficultés. Donc, on se met dans la gueule du loup en ce sens qu'on se rend tributaire d'une hausse qu'on ne maîtrise pas. Pourrait advenir un jour et nous ne maîtrisons absolument pas le calendrier. Ça peut être demain comme ça peut être dans 20 ans. Là, ce wordt toch voorbereid over die inflatie, interestvoeten. Dat is uiteraard met elkaar verbonden. Over Stephanie Kelton, je kent haar waarschijnlijk, hè? Een Amerikaanse, geboren in 1969. Die het heeft over de moderne monetaire theorie. Dus zij zegt, kijk, die schuld, dat is eigenlijk geen probleem. We moeten blijven investeren. Armoede is een politieke keuze, zegt ze. Op voorwaarde dat we de inflatie beheersen. Maar wat denkt u van die moderne monetaire theorie? Hein? Theorie monetair-moderne, dat is echt een boek dat meneer Magnet deze zomer heeft gelezen, hè, van Stephanie Kelton. Ik ben ook bezig. Het is trouwens een goed boek. Het is duidelijk dat meneer Magnet geen economie heeft gestudeerd, want dat is eigenlijk natuurlijk een heel oude economische theorie van het chartalisme. Dat is heel eeuwenoud. En dat was ook een periode dat er eigenlijk geen scheiding was tussen de monetaire overheid en de budgettaire. Ja. Dus de overheid kon zelf geld drukken. En inderdaad, dat is sympathiek. Dan kunnen alle problemen schijnbaar opgelost worden. Maar zoals ik nu doseer nu aan de VUB in Brussel, moet uitleggen aan mijn studenten. Wel, op de korte termijn is dat leuk. Maar als je daardoor problemen veroorzaakt, zoals inflatie, dan offer je de toekomst op voor het heden. En de meeste politieke meningsverschillen, mensen denken dat het gaat over links versus rechts, maar vaak gaat dat over, hecht u ook belang aan de lange termijn? Of denkt u alleen maar aan het plezier vandaag? En wel, vanaf dat je daar een beetje meer prudent bent, een beetje meer voorzichtig bent, dan ga je zeggen, wel, die moderne monetaire theorie, ten eerste is dat heel oud en helemaal niet innovatief. En ten tweede is dat roekeloos. Het zet mensen aan tot handelingen die heel gevaarlijk kunnen zijn. En er is een reden waarom we centrale banken hebben onafhankelijk gemaakt. En iedereen weet dat dat ook geen echt succes of 100% gelukt is. Want te vaak houden ze toch rekening met politieke wisselingen en politieke overtuigingen. Maar er is toch een belangrijke. De Romeinse keizers, maar Lenin zei het ook, hebben hun beschaving te gronde gericht door debaucher la monnaie, door de munt te ontwaren. En daarvoor moet je altijd voorzichtig zijn. Nu, er is altijd een verschil tussen het discours op een lezing of op tv versus het boek. In het boek schrijft Kelton effectief, ja, natuurlijk moeten we dan wel stoppen met die domme dingen vanaf dat er inflatie komt. Maar als je dan eigenlijk die muur hebt afgeschaft tussen de monetaire, de centrale bank en de politiek, dan is het heel moeilijk om iedereen terug in zijn kot te krijgen. Ja, dan heb je terug Magie de Blok nodig die zegt iedereen in zijn kot.
Oké, okay, Marie kijkt zeker mee. Dag Marie. Oké, okay. Een woordje over Stéphanie Kelton. Vous partagez tout à fait l'idée. C'est vrai que c'est un livre qui a été très très lu cet été. Hein. Il est sorti en français il n'y a pas longtemps. Alors, en fait. Oui, de quoi il s'agit. Hein. Donc, on va quand même répéter, effectivement, hein, je l'ai dit rapidement en néerlandais, mais donc elle dit voilà, on peut creuser le déficit parce que la pauvreté, le chômage, c'est un choix politique. C'est simplement parce qu'on ne dépense pas là où il faut. Et donc, il faut dépenser. C'est ça qui compte. Et le reste, on y arrivera toujours. Du moment qu'il n'y a pas d'inflation, c'est évidemment toujours la question. Et on va parler de l'inflation, restez bien avec nous. Als u die vragen hebben, trouwens, niet aarzelen. Ik zie nog niet zoveel vragen, maar het komt nog. En het komt erop neer dat u die vragen stelt, zegt u maar. Alors, s'agissant de cette nouvelle théorie qui n'est effectivement pas si nouvelle, je pense qu'il y a un point qui est correct au départ, c'est que parfois, dans nos traditions judéo-chrétiennes, on pense que il faut que ça nous fasse mal pour que ça nous fasse du bien. Oui. Attendez. Oui, mais ça, c'est vrai. Enfin, c'est dans la tradition, oui, c'est vrai. C'est dans la tradition que, en fait, on gagnerait son paradis en faisant des efforts. Mon beau-père nous a répété, jeune marié, n'oubliez pas, la récompense vient après l'effort. Donc et j'ai vraiment beaucoup d'estime, de respect et d'affection pour mon beau-père. Donc, mais en fait, je pense que comme souvent, ce qui peut être vrai au niveau individuel ne fait pas une bonne politique au niveau général. Je pense que ce qu'un ménage peut se permettre de faire, l'État ne peut pas nécessairement se permettre de le faire. C'est la vieille fable de Mandeville, je passe. Et ce que je veux dire par là, c'est ceci. C'est qu'en fait, il faut se méfier des politiques rigoristes pour le plaisir d'être rigoriste. Mm-hmm. Ça ne sert à rien de s'infliger. En 2008-2009, on a vu d'ailleurs que ça n'a pas très bien marché. Il faut se méfier d'un dogmatisme. Mm-hmm. Et dans une culture, et notamment en Allemagne, c'est quelque chose que l'on rencontre parfois. Donc ça, j'aime bien dans cette nouvelle théorie qu'elle vient nous dire, attention, méfiez-vous de ces excès de vertus qui en fait sont contre. Bien. La vraie question, c'est est-ce que l'argent facile est la bonne réponse par rapport aux défis qui sont les nôtres? Et là, ma réponse est non. Et je fais un parallélisme direct avec ce qui est vraisemblablement l'enjeu numéro un. La pauvreté, c'est fondamental, la coopération, le développement, oui. Comprenez-moi bien. Mais donc, non, on ne va pas faire d'ordre de priorité. Mais pensons à l'environnement. On pourrait dire, c'est génial, regardez, le gouvernement, Thomas Dermine encore, il nous dit qu'il faut dépenser 5 000 milliards en Europe, etc. Mon problème… Il faut que l'Europe admette qu'on peut les dépenser. Oui, qui veut des transports en commun gratuits et un rail dans chaque village, etc. Mais tout le monde a trouvé ça, c'est génial, c'est sympa. Ah, je dois faire que ça et le monde va aller tout mieux, tout bien, tout va être parfait. Ah, non, ça c'est un tout petit morceau de la réponse. La vraie réponse, elle viendra du fait que nous changerons nos comportements. Nous ne nous nourrirons plus de la même manière, nous ne nous déplacerons plus de la même manière. Ça va nous demander des efforts, ce qui est évidemment politiquement nettement moins sympathique à faire passer comme message. Mais, et ça, il y a un outil qui est très facile, que les économistes affectionnent, ça s'appelle la taxe carbone, la taxe CO2. Et la taxe CO2, accessoirement, elle a une vertu, c'est qu'elle fait rentrer de l'argent dans les caisses. Donc, vous voyez, il y a la version dispendieuse, hein, et on va investir, et on va dépenser, on aura du marbre partout dans tous les bâtiments scolaires, et tout va être... Allez. On ne va pas réformer dans le fond. Notre problème fondamental, pourquoi est-ce que la Wallonie va mal? C'est parce que son enseignement va mal. C'est effectivement pas comme le disait Yvan, c'est pas parce que l'eau est différente, c'est pas parce qu'on a des gènes différents, qu'il y a des poils dans nos mains qui nous poussent chez nous. C'est parce qu'en fait, on a au départ un mauvais enseignement. Et c'est pas un problème d'argent. C'est pas en mettant plus d'argent qu'on aura un meilleur enseignement. Un autre problème de klimaatverandering, de strijd daartegen, die moeten we 40 jaar volhouden. Dat is een project. Heel lang moeten volhouden. Terwijl het geld goedkoop maken, dat kunnen we in heel sommige korte periodes zonder problemen doen. Hè, wanneer er weinig inflatie is. Maar dat kun je. Dus dat is een lange termijn probleem dat je 40 jaar moet oplossen. Kun je niet aanpakken door maatregelen die eigenlijk maar enkele jaren. Wel, lage inflatie is toch iets wat al 20 jaar duurt? Ja, zeker 20 jaar. Jaar is nu. Ja. We hebben ook nog voedselprijsinflatie gehad, nog niet zo heel lang geleden. Dus altijd opstoten en zeker nu ook de energieprijzen. Ja. Maar ik heb vandaag, denk ik, we zijn vandaag een column in de krant De Tijd over het feit dat inflatie
twee problemen kan kennen. Voilà, inflatie, dat is nu het moment. Inflatie is het inderdaad een probleem. Zijn we bezig met een hyperinflatie die alles gaat veranderen, zoals Jacques Dorsey van Twitter bijvoorbeeld gisteren zei. Hyperinflatie gaat alles veranderen. Dat is het grote debat in de Verenigde Staten. Wat is uw mening? We hebben een probleem dat inflatie op dit moment ketchup is en tandpasta, allebei tegelijk. En het probleem van de ketchup is, dat is een fles ketchup van een bepaald merk en we zitten daarop te kloppen en er komt niks uit. En ineens komt daar ineens alles uit. En heel ons bord ligt vol met ketchup. En dat is wat we nu kennen. We hebben heel veel geld gecreëerd, al sinds de financiële crisis. Oh, er is niks aan de hand, Dus we doen gewoon voort, En ineens lopen de dingen uit de hand. Dat is het ketchupprobleem. Het tandpastaprobleem is, als je een tube tandpasta, dat heb ik nu niet bij, maar als je daarop duwt en die tandpasta komt eruit, die krijg je daar dus niet meer in. En dus de centrale banken die hebben zoiets van, ja, maar het is een tijdelijk probleem, die inflatie, en het is een bescheiden probleem, en we kunnen het corrigeren. En dat de grote vraag die we ons moeten stellen is, kunnen centrale banken ook fouten maken? En dat is mijn opleiding, monetaire economie. Ik ben niet bij de centrale bank beland, dus ik ben iemand die heel kritisch kijkt naar wat ze dan wel of niet doen. En ik zeg, ze hebben hoogmoed. De hybris is te groot. Ze denken dat ze geen fouten kunnen maken. En ik ben natuurlijk niet zeker, ik ben niet Nostradamus, maar ik weet wel dat er grote risico's zijn dat inflatie te sterk zal zijn. En waarom? En tot in welke mate? Tot welke niveau? Ja, maar hyperinflatie is natuurlijk, wij hebben op dit wat moment... Wat is trouwens hyperinflatie? Hoe zou je dat kunnen bepalen? We zouden al eigenlijk moeten spreken over 10% en meer. Okay. Uiteraard, en sommige economen zullen op dit moment zeggen, de inflatiecijfers vandaag zijn 4%. Maar pas op, hè, het Federaal Planbureau die maakt de voorspellingen voor de overheid. Die zei in juni, en dat is nog niet zo lang geleden, hè, ja, de inflatie zal maar 1,7% zijn. Tegen het eind van het jaar zitten we aan 4,6, volgens het Federaal Planbureau. Maar dus we moeten corrigeren. En nu zeggen ze, tegen eind 2022 zal de inflatie maar 1,2% zijn. Wel, ik denk dat men zich kan vergissen en dat dat heel pijnlijk zal gaan worden. Là-dessus, u zegt dat het pijnlijk kan worden, in welke mate? Enfin, d'abord, votre analyse, est-ce qu'on va vers cette hyperinflation? Je le répète, hein, aux États-Unis, depuis quelques jours, on ne parle plus que de ça, manifestement. Hyperinflation, je n'y pense pas un quart d'instant. Donc, je ne pense pas que nous allons revivre ce qu'on a vécu dans les années 70. Hein, c'est au milieu des années 70, 75, 76, qu'on a eu une inflation à deux chiffres en Belgique. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Yvan. Je pense que ce n'est pas l'explication monétariste de l'inflation qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les banques centrales sont hyper accommodantes aujourd'hui, comme elles le sont depuis des années, que nous avons cette résurgence d'inflation. Donc, je ne crois pas que Milton Friedman sort du cimetière et revient aujourd'hui à l'actualité. Je pense que si nous avons une résurgence d'inflation, c'est pour d'autres raisons que l'assouplissement monétaire. Et ces autres raisons, c'est principalement les perturbations des chaînes de production liées à la COVID. C'est cette épargne que nous avons été forcés de constituer quand nous avons été interdits de restaurants, de voyages et d'autres formes de dépenses. C'est cette épargne que nous avons constituée parce que nous avons eu peur des lendemains en 2020. Oui, 20 milliards en plus que d'habitude, ça a été absolument énorme. Nous ne savions pas si on allait conserver notre boulot, si nos proches allaient conserver notre boulot. Donc, ce n'était pas le moment d'acheter une nouvelle voiture. Et donc, on a retardé ça. Ouais. À côté, et donc, maintenant, tout le monde dépense et c'est ça qui fait monter les prix. Ça fait monter les prix. Ouais. D'habitude, quand, moi j'aime bien le vélo, quand j'allais pour acheter un nouveau vélo, le gars, le vendeur, il me proposait une ristourne immédiatement. Ouais. En prix catalogue, c'est autant, mais je vous le fais autant. C'est vrai. J'y étais il y a quelques semaines, il ne m'a pas proposé de ristourne et je n'ai pas eu le culot pour lui en demander. Je lui ai demandé un délai de livraison. C'est, on change. C'était pas mal, voilà. Vous étiez content et, d'avoir. Et il m'a dit deux mois et demi et je dis « yes, je signe ». Donc voilà, on change. On change. Vous achetez quelle marque l'état d'esprit. On a quand même beaucoup de gens qui aiment le vélo. Vous achetez quelle marque Moi, j'aime bien Scotch, mais voilà. Ah, c'est un Scotch. Mais j'ai un partenaire de vélo dans la salle, donc Vous faites du vélo, oui, je me disais, mon Dieu, ça veut dire quoi ça? D'accord, ok. Et donc, ceci étant dit, je pense que donc, les raisons de cette résurgence d'inflation, elles sont largement temporaires. Je rejoins Yvan pour dire, je pense que ce n'est pas prudent de la part de la Banque centrale de dire que c'est temporaire, parce que si jamais ce n'était pas temporaire, elle serait prise à froid et ça pourrait nuire à sa crédibilité. Or, sa crédibilité est fondamentale pour garder des taux d'intérêt bas.
Mais donc, je pense qu'elle a bien, elle aurait mieux fait de ne pas s'exprimer. D'ailleurs, Pierre Runge a montré une voix dissonante et bienvenue par rapport à ça. Et donc, si nous avons cette régénération, c'est pour partie pour des facteurs temporaires liés à cette perturbation des chaînes de production, mais d'autre part, il y a aussi des facteurs de fond. Et ces facteurs de fond, ils sont notamment climatiques. Et je pense à deux illustrations. D'une part, nous devons nous attendre à payer plus cher notre alimentation. Et j'ajoute, tant mieux. Dire, la publicité d'Aldi faisant son kilo de poulet à 4 euros, j'ose espérer prochainement dans un monde où ça n'existera plus. Je ne veux pas penser, et je dis Aldi comme j'aurais dit Lidl ou un autre, j'ose espérer que demain il y aura un monde où on n'aura plus des kilos de viande, parce que des kilos de viande à ces prix-là, c'est pas de la viande. Je ne sais pas comment il faut qualifier ça, mais certainement pas. Je fais une incise dans l'incise, si vous me permettez. On parle beaucoup de l'abattage rituel et du bien-être des animaux. J'aimerais que ceux qui demandent un truc sur l'abattage rituel aient le début de cohérence intellectuelle et osent s'en prendre à toute cette chaîne alimentaire industrielle innommable que nous tolérons sur notre territoire sans rien faire. Le bien-être des cochons, il est bien plus important à discuter dans ces élevages que ce qui ne se passe sur les marchés à Anderlecht ou ailleurs. Je ferme la parenthèse de la parenthèse. Donc ça, c'était le premier point, c'était par rapport à la nourriture. Et donc, les tendances et les perturbations climatiques vont amener une baisse des rendements agricoles. Et donc, d'autre part, il faut surtout. Ça, vous êtes absolument certain de ça. Donc, il y a aussi le côté rendements agricoles qui vont baisser, qui vont diminuer. Donc, ça va monter. Plus le côté sympathique, c'est qu'effectivement, on va ne plus admettre qu'effectivement les animaux soient élevés comme cela. On sait que c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, une offre qui diminue, c'est. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est l'aspect climatique, c'est l'aspect environnemental, la politique environnementale. Il faut, c'est un peu choquant de le dire aujourd'hui, mais se réjouir que l'énergie soit chère et il faut souhaiter que l'énergie reste chère et vienne encore plus. Jeffrey Frankel, un excellent économiste, vient de s'exprimer encore sur le sujet. Vous savez que ça, c'est difficile à vendre à des gens qui ont beaucoup de mal. Il y en a beaucoup, malheureusement, surtout dans une partie de notre pays, ça c'est clair. Il y aurait moyen de payer plus cher pour son énergie, d'avoir des politiques réellement sociales. Mais le drame de notre pays, c'est d'avoir une énergie bon marché et une insuffisance de logements de type public. Inspirons-nous de ce que les Pays-Bas ou ce que l'Allemagne peut faire en termes de logements publics par rapport à ce que nous offrons. C'est tout à fait choquant que nous n'en fassions pas plus pour ces publics fragilisés. J'aime répéter que malheureusement, en Belgique, il y a 15% des enfants qui grandissent dans des familles pauvres. En Wallonie, c'est 25%. À Bruxelles, c'est 40%. Oui, complètement. Il y a moyen, enfin, il n'y a pas moyen, il y a des urgences à prendre. Mais ça ne doit pas empêcher de s'en prendre à l'environnement. Mais plutôt que de permettre à tout le monde de se chauffer bon marché, de rouler bon marché, de voyager bon marché, il faudrait consacrer des moyens militaires aux populations qui en ont besoin. Tout à fait. Vous faites une analyse politique globale. Vous devriez vous lancer, d'ailleurs, finalement. Non, ce serait… Je n'ai jamais dit à qui, en tout cas en public, pour qui je votais. Vous vous rendez compte de la faute que vous feriez faire, mais vous mettrez sympathique, bien sûr, Monsieur Dakalataï. Mais donc, pour terminer là-dessus, donc, on va vers une inflation, dites-vous, mais pas une hyperinflation, hein, pour reposer la question, pour être très clair. Donc, on va vers combien? Parce qu'on va voir les conséquences, que ça, qui sont importantes. On va parler d'immobilier aussi, on va parler de tous les sujets qui vous passionnent, évidemment. Mais normalement, un économiste, s'il était sage, ne se prononcerait jamais sur l'avenir. Il ne ferait que commenter l'actualité récente. En fait, nous faisons le même métier. Journaliste et économiste, c'est souvent la même chose. Mais en fait, puisqu'on lui pose gentiment la question et que c'est souvent quelqu'un de bien éduqué, il va gentiment répondre en disant, je vous dirais 3-4%, ce serait bon. Et ça, c'est pas grave. Non, au contraire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça soulage en fait les finances de ceux qui sont très endettés, à commencer par les États. Or, nous avons besoin. On a un fonds, souvent dans les pays latins, un fonds d'anti-étatisme, ce qui est mauvais pour les États. On dit, un fonds un peu libertarien, comme ça, on le voit encore dans la vaccination. Mais c'est tout à fait rudimentaire, pour ne pas dire infantile, comme attitude. Nous avons besoin d'une banque centrale puissante. Nous avons besoin d'État. On l'a vu dans la crise de 2020. S'il y a bien quelque chose qui est sorti, c'est il faut dire merci l'État, merci la banque centrale. Donc, nous avons besoin de ces instruments. Aujourd'hui, avec les dettes qui sont celles des pouvoirs publics, il faut de l'inflation, parce que c'est l'inflation qui va alléger le fardeau. S'il n'y avait pas cette inflation, ce fardeau mettrait à mal la stabilité financière. Qui a prêté aux États? C'est nous tous, oui, mais c'est surtout nos banques et nos compagnies d'assurance qui ont prêté. Donc, s'il y a des problèmes budgétaires, enfin de soutenabilité de la dette publique, ce sont nos banques et nos compagnies d'assurance qui viendraient à tanguer. Nous n'avons aucun intérêt à ce que le système financier tangue, et donc nous avons intérêt
à ce que les pouvoirs publics continuent de financer bon marché. Voilà, alors c'était aussi et donc, l'idée, voilà. Ils se financent bon marché et il y a de l'inflation qui vient gentiment bon marché, manger. On vient quand même d'une inflation nettement inférieure. Hein, si vous dites 4% maintenant, je me souviens de mes parents. Parce que comme ça, les recettes augmentent. Hein. D'accord. Enfin, c'est vrai, les recettes augmentent. Je vais poser la question à Yvonne. Enfin, je me souviens de mes parents qui ont acheté une maison en 63 avec une jolie inflation 4-5% des années 60. Effectivement, après quelques années, ils payaient quasiment plus d'intérêt. Ça n'a jamais été notre cas à nous. Die spreken altijd in termen van bij gelijke omstandigheden. Ja. Als er inflatie is en voor de rest verandert er niks, dan kan dat helpen voor in dit land een beetje de schuld draaglijker te maken. Maar als dan de rente zou stijgen, voilà. Dan heb je met onze overheidsschuld direct een kogel in het hoofd. En dus en zou daar toch voorzichtiger in zijn. En dus de echte vraag is, hoe persistent zal de inflatie zijn? Ja. Dus gaat het een tandpasta-inflatie zijn? En ja, die komt er uit die ketchupfles nog heel veel. Dus dan kunnen we dat ons toch wel betreuren. En dat zijn eigenlijk zaken waar inderdaad we vandaag niet de toekomst kennen, en waar, maar waar wel degelijk risico's zijn. Ja. Nu, op het vlak van de woningmarkt, Toch niet te snel, hè? Maar over die interestvoeten, als de inflatie stijgt, zullen de interestvoeten ook stijgen, toch? Of niet? Ja, maar de interestvoeten worden natuurlijk beïnvloed door heel veel factoren, maar dan spreken we voor een stuk ook over de vraag, hoe structureel is die inflatie? Mm-hmm. En ik maak op de korte termijn, zijn er echt wel veel grotere inflatieproblemen dan men denkt. Hè? Ik bedoel, je moet eens maar naar de Hugo of de Gamma gaan vandaag, hoeveel producten, heel veel materiaal is daar niet meer te vinden. Dus de problemen van... Bevoorradingsproblemen, ja. Bevoorrading zijn immens. Mm-hmm. En dat zou wel eens... Want hoe minder men ervan af weet, hoe gemakkelijker men zegt, het probleem is maar tijdelijk. Ik heb dat al heel de tijd ervaren, de voorbije maanden. De bankeconomen en de algemene economen, die heel ver staan van de productieketen, die zeggen dat is maar een tijdelijk probleem. Maar als ik luister naar transportmensen, mensen die in de logistiek zitten, zeggen die, het zou wel eens veel langer kunnen duren, die aanbodproblemen, dan we denken. En die spreken zeker tot einde van volgend jaar op dat vlak. En 2022. En dus helemaal dat verhaal van die inflatie, dat zal tegen einde volgend jaar weg zijn. Wel, dat wordt tegengesproken door de mensen van het terrein. Die zeggen die aanbodproblemen zijn veel problematischer dan men denkt. Als je kijkt, als je weet hoe dat vandaag investeringen in logistiek en dergelijke worden uitgesteld. Heel veel bedrijven hebben vorig jaar alles stilgelegd en doen nu de investeringen die ze op normaal 1 jaar doen, spreiden ze over meerdere jaren. En dat betekent, in de capaciteit van het logistiek systeem, van het transportsysteem, zit een onderinvestering. En die gaan we uitzweten. En dat gaat dus veel langere inflatieproblemen opleveren dan men. Oké, dus bevoorradingsprobleem misschien ernstiger dan men denkt. Ja, goed. Over die woningen, u had het over inderdaad, hè, de woningen, onroerende goederen. Wat kunnen we daarover zeggen? Zijn ze te duur in België? Moeten we daar een beetje de link leggen met het vorige onderwerp. En wat mensen vaak niet weten, is dat wij inflatie willen bestrijden, zegt men, door de centrale bank. Maar men heeft daar een maatstaf van een index, de index van de consumptieprijzen. Mm-hmm. En daar zit dus nauwelijks de stijging in van de werkelijke kost van het wonen in ons land. En dat heeft te maken met de centrale bank. Christine Lagarde heeft recent toegegeven van dat gaat nog jaren duren vooraleer we die index beter maken, dat we echt rekening houden met de werkelijke kost van het wonen, uh-huh. Omdat verschillende landen in de eurozone er niet in slagen om betrouwbare statistieken over de woonkost op te leveren. En dat betekent, ja, dat is een manier, als je naar de waardering van vastgoed kijkt, moet je eigenlijk denken zoals op de beurs, in termen van de prijs versus het rendement. Uh-huh. En dat is eigenlijk voor een stuk de divergentie, vanaf dat je de divergentie ziet op de beurs tussen de koersen en de winsten, dan zit je met een probleem. In het vastgoed zitten we met een divergentie tussen de huurgelden en de waarderingen. En dus dat is een overwaardering. Overwaardering in België, vooral in België dus. Hè? Ja, hoe het ook draait of keert, er is een overwaardering. Nu, er is natuurlijk het feit dat we vanuit een lage startpositie vertrokken, zegt men dan. Hè. In andere landen is het probleem nog erger. In sommige landen.
Welke? Welke bijvoorbeeld? Wel, in Nederland is een land dat heel gemakkelijk naar overwaarderingen gaat en dan krijgt men ook wel een correctie, maar heel snel is de trein terug vertrokken. Dat is een heel instabiele markt, die van Londen en Groot-Brittannië is dat ook. Maar een stuk is er dus wel een kwalitatief verschil, dat er minder klassiek, traditioneel, minder speculatie is in de Belgische markt, maar dat is nu toch wel aan het veranderen. Er zit toch wel een grote dosis speculatie in de Belgische vastgoedmarkt. En waar gaan we naartoe als u zegt dat er een overwaardering is? Ja, maar dan is het dus wel degelijk. Het is in elk geval eigenlijk niet in het belang van de natie, als ik dat mag zeggen, van de algemene bevolking, dat die overwaardering blijft duren. Dus eigenlijk zouden we die beter corrigeren door dat uit te zweten, door een langere periode minder stijging te kennen. Maar ja, de echte trigger daarvoor, dat zal waarschijnlijk een soort rentecorrectie moeten zijn. En als die te drastisch is, kan dat heel pijnlijk worden. Maar ja, dat is de taak van de centrale bank, om dat goed te beheren. Maar als, ja, daar hebben we het verhaal. Ze heeft weinig bewegingsvrijheid om dat heel gradueel te doen. En dus dat is een probleem dat we eigenlijk zelf hebben gecreëerd over de jaren door te lax te zijn. Oké, votre avis aussi, hein, monsieur de Cataille, sur cette fameuse bulle immobilière. Enfin, il n'y a pas de bulle immobilière pour l'instant, à moins que si, si nos biens sont surévalués, c'est qu'il y a effectivement une bulle immobilière. Il y a un souci. Je serais à titre personnel prudent sur la chose. Plutôt sur l'aspect patrimonial. J'ai d'accord avec le fait, comme le disait M. Danneclaude, qu'il y a un problème, nos loyers sont finalement trop bas par rapport au prix de vente, et donc là, le clos est trop important. En fait, ce qui se passe, c'est que la faiblesse reflète la faiblesse de tout intérêt. Donc l'un est lié à l'autre. C'est ça qui fait que le rendement locatif est tiré vers le bas quand les taux d'intérêt sont à la baisse, et les rendements locatifs sont élevés quand les taux d'intérêt sont élevés. Ah, pourquoi ça? Expliquez-nous. Parce que vous avez 1 million d'euros, ouais, et que vous voulez acheter une maison que vous pensez qu'il va pouvoir vous rapporter 100 000 euros de loyer. Vous précipitez, ça vous fait 100 000 sur 1 million. Je vais prendre des chiffres ronds. Hein, oui, on est bien d'accord. On se comprend, ça vous fait du 10%. Moi, je vois sur mon livret d'épargne, en ce moment, j'ai du 0,11%. Je vais faire comme Christophe, si je peux me permettre de vous appeler Christophe. Et donc, nous sommes à l'heure à dire, ben non, mais moi, je vais proposer 1 100 000 pour ce bien. Et puis, vous allez me dire, ben non, mais finalement, même si je n'obtiens que du 5%, c'est toujours mieux. Donc, moi, je mets du 2 millions sur la table. C'est ça l'explication. Mais donc, il y a un lien direct avec le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, donc, ça veut dire que vous avez une sensibilité dans votre placement immobilier à un paramètre qui est le taux d'intérêt. Première problématique, vous concentrez le risque de cette manière-là. Deuxièmement, vous le concentrez géographiquement, puisque vous allez investir dans l'immobilier, vraisemblablement pas dans 3 mètres carrés à Sao Paulo et 4 mètres carrés au Vietnam, parce que ce n'est pas très facile quand il y a du vide locatif. Donc, vous allez le faire dans la rue à côté de chez vous, mais le problème, c'est que c'est la rue à côté de chez vous. Ce qui fait que vous êtes sensible au même déménagement des institutions européennes, je ne pense pas que ce soit l'agenda, mais ça peut se produire, au même changement dans les trajets d'avion, ça peut se produire, j'en parlerai d'expérience, mais ouais, vous pouvez encore avoir d'autres types de changements. Donc ça, c'est le manque de diversification de l'investissement immobilier. Ceci dit, je ne suis pas ici pour défendre les autorités, mais il y a un fond d'intelligence au fait que le logement soit mal représenté dans l'indice des prix à la consommation. Et je me permets de faire cette incise. En fait, la bourse ne fait pas partie des prix à la consommation. Ça ne vous surprend pas tout à fait si je dis ça. Hein? Quand la bourse monte, ce n'est pas normal que le coût de la vie n'augmente pas. Et en fait, il faut bien voir que quand les prix de l'immobilier montent, le prix de l'immobilier, c'est considéré comme un actif immobilier, là où les actions sont un actif mobilier. Et donc, dans la logique d'un statisticien de l'État, eh bien, on ne prend pas en considération ce qui est le patrimoine. On s'intéresse à ce qui est de la consommation, pas le capital. Et donc, les biens en capital… Voilà, mais dat is waarom het voor 6%, 6%. Voilà, dat is waarom de weging van de vastgoed in onze consumptieprijs, donc c'est du 6%. Donc le poids de l'indice de l'immobilier en Belgique dans l'indice des prix à la consommation, c'est 6%. Et 6%, ça représente plus ou moins quoi? Ben, ça représente plus ou moins 30% pour un quart de la population. C'est ça. Et en fait, pourquoi? Ben, parce qu'effectivement, pour les gens, le loyer, ça représente 30%. Mais en fait, il y a un quart des gens qui sont locataires pour trois quarts qui sont propriétaires. Donc, les propriétaires, quand ils remboursent leur prêt hypothécaire, c'est une opération capitale, c'est pas de la consommation, c'est pas dans l'indice des prix à la consommation. Et pour ceux qui payent 30% de loyer parce qu'ils sont locataires, ah ben oui, ça fait 30%. Oui, mais ils ne pèsent que, ils ne sont que 25%, donc 25% de 30%, enfin, à l'arrondi, on tombe sur les 6% de mon indice. Très bien.
Ok, vous ne nous avez pas dit où ça allait, ça va aller vers quoi? Les prix d'immobilier. L'immobilier en va vers une baisse, soyons Alors, en concrets, fait, parce que beaucoup d'entre ça ne nous dépend pas en pensent à répondant là. ça. Ça dépendra de ce que nos autorités envisageront de faire. Je pense que nous devons tous collectivement accepter d'avoir plus de voisins et donc plus de problèmes pour trouver une place de parking. En fait, nous devons absolument densifier notre habitat, D'accord. faciliter l'offre. En fait, si vous voulez réellement faire quelque chose pour faciliter l'accès au logement des personnes, eh bien, c'est augmenter l'offre. Moi, je suis un bête économiste, je connais l'offre, je connais la demande. Et si je trouve que le prix est trop élevé, ben, une bonne manière pour faire, c'est pas comprimer la demande, ça c'est un peu moins sympathique quand il s'agit de logement, mais c'est plutôt augmenter l'offre. Donc, Et donc, offrir plus haut en ville, par exemple, voilà, dans ce qui revenir. est en ville, je ne dis pas qu'il faut bâtir Ouais, ici dans la forêt de Soignes, ouais. ce serait dommage. Mais effectivement, accepter 3 étages au lieu de 2, 5 au lieu de 4 et ce genre de choses, oui, tout à fait, c'est ce vers quoi Et nous on retourne un devrions petit aller. peu à ça, même si effectivement avec le Covid, on est reparti à la campagne, c'était peut-être pas la bonne idée, on va peut-être revenir en ville maintenant, enfin, sauf que le Covid revient. Oui. C'est quand même compliqué, hein, cette vie. Oui. Donc, laatste vraag over de woningmarkt. Gaat het, wat de prijs betreft, gaan we naar hogere prijzen, lagere prijzen, misschien lagere prijzen dan, of niet? Opnieuw, dat hangt van het renteverloop Ja. af. En kijk, daar hebben we de centrale bank zal daar al de centrale bank zou in mijn ogen meer moeten letten op de betaalbaarheid van het wonen. Zij zou minder moeten in België, en ik ken genoeg politici die spreken altijd over de betaalbaarheid van het wonen, maar heel veel van de maatregelen die ze nemen, die jagen de prijzen omhoog. En dat is Welke steek. bijvoorbeeld? Wel, in Brugge zijn er parlementsleden die dat effectief in die manier bepleiten. Die zijn altijd voor incentives die de prijzen omhoog jagen. Terwijl er is een probleem van betaalbaarheid van het wonen. En dat is eigenlijk een soort cultureel iets. Als de prijzen van het vastgoed stijgen, dan staat er in veel kranten hoera. Terwijl voor veel mensen is dat een probleem. Wat de jongere En er generatie is een niet. beetje een selectieprobleem van die kranten om te denken. Stijgende woningprijzen is een goede zaak. Wel, als die al Ja, te hoog in zijn en trends, voor hè? veel mensen Vooral in een trends is het probleem hoera. zijn. In la Meuse, is het minder hoera. Maar van ja, Qu'est-ce qui pourrait contribuer à ne pas tirer les prix à la hausse? C'est peut-être la base, ben, une simplification des démarches administratives, un raccourcissement du temps, une réduction du risque pris par le promoteur, parce que tout ça se paye évidemment, hein. Si le promoteur prend beaucoup, beaucoup de risques, s'il doit attendre des années pour avoir son permis, eh bien tout ça, in fine, c'est vous et moi et c'est nous tous qui le payons. Donc la Flandre a diminué la fiscalité sur les maisons, ce n'est pas encore le cas effectivement du côté francophone. On va suivre ça. Une vraag, we komen terug tot een onderwerp dat we nu al aangesneden hebben, maar het is wel een zeer interessante vraag, uiteraard, van een van de deelnemers, namelijk van Dirk. Dirk vraagt ons, waar komen onze huidige bevoorradingsproblemen van vandaag vandaan en kan de overheid economische maatregelen nemen om ze op te lossen. We hebben toch genoeg productie, genoeg werkzoekenden, genoeg vervoersmiddelen enzovoort, zegt Dirk. Een vraag Wel, aan u. het zit bijvoorbeeld in Granum. Wel, daar is het nu niet meer zo de temperatuur voor om dat snel op te lossen. Dus als het in voedsel, grondstoffen zit en dergelijke, daar zit je met een heel oud probleem. Vroeger noemde men dat de varkenscyclus en dergelijke. Dat je kunt nu niet te veel graan meer telen hier in Brussel. En dus ja, dat ga je moeten uitzweten. Er zijn echt wel technische problemen, zoals Suezkanaal dat een tijd heeft vastgezeten en dergelijke. Er zijn allerlei internationale issues geweest. En dan is er vooral ook een te lage investering geweest, omdat men zei, het is COVID, we leggen alles stil. En dan heeft men eigenlijk, ja, men is te pessimistisch geweest over wat de vraag het jaar nadien zou zijn. En dan is er nu vandaag een Ja, aanbodtekort. herlokaliseren, dat is een beetje wat Dirk laat Ja, maar verstaan. Is het een ik idee? ga daarin mee voor een stuk. Ik noem dat de 90% globalisering. We moeten kritisch zijn over de excessen van de globalisering. En we moeten nadenken over wat is strategisch. Dat 80% van de paracetamol uit India komt. Als de Indiërs geen paracetamol willen exporteren Hebben we naar allemaal ons, een dan kop krijgen we pijn? allemaal hoofdpijn. Dus dat kan toch niet de bedoeling zijn? En dus bepaalde zaken gaan we inderdaad strategischer moeten dichter bij huis brengen. Je En dat ziet is alleen de dan mondmaskers en het probleem paracetamol ook. Dat is inderdaad zeer belangrijk. Henri, sur la question de Dirk, je dirais que, en fait, on l'a vu pendant la COVID, la production a été vraiment perturbée, plus encore que la consommation. Hein, on a tous pu
pu l'acheter au travers de Amazon ou compagnie. Et donc, ça a certainement fait que les niveaux des stocks ont baissé. Alors que nous sortons de la COVID avec l'idée que pour une économie plus résiliente, nous devrions avoir des stocks plus conséquents. Donc, c'est un mismatch. Regardez, je prends l'exemple du vélo. Le vendeur de vélo qui avait un stock, il a fait des affaires en or pendant la COVID. Celui qui était en just-in-time, il a eu ses larmes pour pleurer et puis c'est à peu près tout. Et donc, alors que jusque-là, il faisait de super bonnes affaires. Quand le taux d'intérêt est à 0%, on peut se dire, mais finalement, le just-in-time, est-ce que c'est si intéressant que ça? Quand votre banque vous pénalise parce que vous avez un petit peu trop de liquidité sur votre compte à vue, votre gestion de trésorerie prend tout à coup un autre tour. Et donc, vous vous dites, ben, finalement, avoir un peu de stock à moi, c'est finalement pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que non seulement vous avez cette bonne idée d'avoir un peu de stock, mais votre voisin, qui a le même business que vous, il a aussi la même idée. Et donc, vous ne trouvez pas. Donc, ça, c'est un aspect. Un autre aspect auquel il faut prêter attention, c'est, Yvan évoquait une pénurie d'investissement. J'aimerais attirer sur une dimension en particulier. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir glorieux pour le pétrole? Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir glorieux pour le transport de containers partout sur toutes les mers du monde? Le carburant utilisé par ces bateaux, c'est quasi comme de l'asphalte. Hein. C'est super polluant. Hein. C'est pire que du kérosène, c'est dit. Non, j'ose espérer vivre demain dans une planète où il y aura un petit peu moins de bateaux. Mais donc, si je suis armateur, est-ce que je vais investir dans la construction de bateaux dont je me dis, mais peut-être que dans 15 ans, ils resteront à quai parce qu'il n'y aura personne pour faire transporter. On me fera payer des taxes abominables. Ce ne seront pas des taxes abominables, juste des taxes proportionnelles à la pollution, des taxes responsabilisantes, des taxes très libérales, des taxes comme je les aime. Eh bien, en fait, non, donc je ne vais pas le faire. De même pour le pétrole. Si vous pensez qu'il y a un avenir radieux pour le pétrole, vous allez investir beaucoup en 2020 ou en 2021. Hein, le pétrole est à 80 $ le baril, voire plus. Eh bien, vous dites, c'est le moment. Et c'est ce qu'on voyait dans le passé. Quand le prix du pétrole augmentait, on investissait davantage, et notamment encore récemment, dans le gaz de schiste et le pétrole de schiste aux États-Unis. Plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le gars, il se dit, oui, mais attendez, moi, je ne sais pas piloter. Si j'ai investi, j'ai avoir besoin de 20 ans pour amortir mes investissements. Il va y avoir, sinon, un risque de stranded assets, d'actifs échoués. Je vais investir pour produire plus et dans 12 ans, on va me dire, ton pétrole, tu l'oublies, c'est fini. Et moi, je vais me retrouver avec mes équipements. Quelles sont les conséquences de ça? C'est que ça peut aussi avoir… Donc, je produis moins et donc, aujourd'hui, j'ai des pénuries de production. Est-ce que vous faites du super gros entretien, des gros travaux de maintenance dans vos équipements maintenant? Et le gars vous dit, oui, mais avec ça, vous êtes reparti pour 30 ans. Mais dans 30 ans, je n'ai pas de visibilité sur l'usage de mon équipement. Donc, vous ne faites pas votre gros travaux de maintenance. Donc, ça tombe plus en panne, donc vous produisez moins, donc il y a des pénuries. Donc, à vous entendre, il faut vraiment, et c'est ce que disait Yvan aussi, Yvan le disait aussi, il faut vraiment relocaliser. Alors, on est, d'ailleurs, il y a pas mal de livres qui ont été écrits, hein, ces fameuses années 9 où, effectivement, généralement, on remet les choses un petit peu chez soi. C'est pas tout à fait ça que vous dites, non, parce que si les gens n'osent plus, n'investissent plus en super tanker, justement, si vous dites vous-même les containers, on va un petit peu diminuer, moi je vais en tirer comme conséquence ou comme conclusion, d'ailleurs, je peux dire en français qu'il faut remettre les choses chez nous. C'est pas tout à fait ça que vous dites? Non, moi je dis autre chose, mais ça ne veut pas dire qu'il faille éventuellement relocaliser certaines productions. Moi je dis, on est au milieu du gué. On est au milieu du gué. On sait que ce qui nous attend, c'est un monde avec moins de super tankers, moins d'avions, moins de camions. C'est ça vers quoi on va, moins de pétrole. Dépêchons-nous d'y aller. Parce qu'en fait, si on reste au milieu du gué, qu'est-ce qui se passe? On se fatigue à essayer de ne pas tomber dans l'eau, mais on ne progresse pas. Mais s'il n'y a plus ça, il faudra quand même faire les choses plus chez nous, parce qu'on ne le fera pas venir de… Le paracétamol, il vaut mieux le faire chez nous dans ce cas-là qu'avoir un avion. Les développements dans je ne suis pas que ce soit l'énergie de l'hydrogène, les voitures électriques, l'éolien, moi, je n'y connais rien à rien. Mais c'est ça qu'il faut. À partir du moment où on instille de l'incertitude, en fait, on retombe sur des mécanismes d'économistes. On est dans l'incertitude, on a des primes de risque. Donc, il faut y aller pour qu'il n'y ait plus d'incertitude. Donc, il faut que le modèle suivant soit le plus vite possible mis en place. Vous pensez qu'en 2022, le pétrolier, là, chez Exxon, ils vont se dire, oh, ça va, le soleil, maintenant, il va être pour nous et pour les 20 ans qui viennent, ça va être super bingo. Ils ne le feront toujours pas. Donc, ce n'est pas attendre 6 mois qui va aider le patron et puis il va dire chez Repsol et chez BP et chez les autres. Donc, l'incertitude étant là, il faut aller dans le sens de ce qui va réellement dissiper de manière crédible cette incertitude. De grote vraag is natuurlijk de snelheid. Hè. Ik bedoel, sommige, als we vandaag naar nul emissies zouden gaan, vandaag is de technologie er nog niet. Dus we moeten ook investeren in nieuwe technologie om dat mogelijk te maken. En dus de vraag, en dat vraag is uiteraard ook politiek. Als econoom kan je als technocraat zeggen, ja, we moeten groener worden. Maar de politiek zal voor een stuk bepalen aan welke snelheid dat gebeurt. 2050, als ze leiderschap tonen, dan zouden ze aan de bevolking
moeten uitleggen, dat is een pedagogische taak, van de noodzaak van bepaalde veranderingen. Nu, ik spreek over de 90% globalisering. Ik zeg niet, we gooien de globalisering volledig weg. We behouden veel of wat? De voorbeelden. Maar dus de strategische zaken moeten we dichter bij huis brengen. Maar bijvoorbeeld, en soms die maatregelen, want soms wordt er ook een amalgaam gemaakt. Bijvoorbeeld mondmaskers, alsof we hier fabrieken moeten mondmaskers permanent in eigen land moeten hebben. Nee, als overheid moet je een contract, een flexibel productiecontract maken met een textielfabriek. En als er terug een corona of een luchtprobleem, ademhalingsprobleem, virusprobleem optreedt, dan zeg je, en nu moet u geen lingerie meer produceren, maar mondmaskers. En dus dat soort lenigheid, flexibiliteit. Is dat. En dat is ook voor het luchtverkeer zo. De reden waarom COVID zo snel over de wereld is gegaan, tegenover vroeger, in 1918 bijvoorbeeld, is het luchtverkeer, het vliegtuigverkeer. Wel, dat betekent niet per se om die reden, misschien wel om andere redenen, om ecologische redenen, maar om die reden hoef je niet per se te zeggen, we moeten minder vliegen, maar je moet op een bepaald moment kunnen zeggen, en nu is er een blokkage, we stoppen het luchtverkeer. En natuurlijk, de reden waarom dat er in dit land zo laat is opgetreden, en elke week die we later optraden in maart vorig jaar, heeft 70% meer besmettingen veroorzaakt. Dus dat is een heel dodelijke zaak geweest dat men te lang, wekenlang heeft geaarzeld. Wel, dat was, Mark van Ranstee heeft op televisie gezegd, ja, ga maar op vakantie naar Italië. Terwijl iedereen wist dat daar het virus aan het rondgaan was. Ik heb in de Krookse vakantie mijn eigen vakantie geaarzeld. Dat van Rans, dus elke week vroeger handelen had 70% minder. Maar Mark van Ranstee heeft toch de mensen niet aangemaakt om naar Italië te gaan? In die periode, en dat is zijn, hij kan dat niet ontkennen, dat is, in het begin was hij te aarzelend. Ja, maar dat is ook zo, tuurlijk, ja, dat heeft hij wel, maar dat hij dus mensen echt iets aangemaakt om het pakket te zeggen. Oké, goed. Ça va. Mogen we op vakantie naar, ja, doe maar, ga maar skiën. Voilà, zo is het gebeurd, inderdaad. Vraag van Lucica, dank u, ik weet niet of ik uw naam trouwens correct uitspreek. Moeten we ook niet af van het gedrag van ons allen om alles zo snel mogelijk bij ons thuis, om alles op zo snel mogelijk moment bij ons thuis geleverd willen krijgen? Gaat dat niet helpen in het oplossen van vele problemen zoals milieuproblematiek, transport, grondstof en tekort aan goederen als we dus niet alles thuis geleverd willen zien? Voilà, we hebben de Amazon de ce monde. We hebben die pakjes. Camionetjes die overal op onze wegen rijden. En men probeert daar slim men probeert dat te corrigeren, zal ik zeggen. Maar ik denk dat men nog wat meer creatief moet zijn. Nu gaat men zogezegd een soort lokaal punt hebben waar je dan je pakje moet gaan halen. Maar als iedereen daar dan met de auto naartoe rijdt, dan komen we niet verder. Dus misschien nog echt geld aan een camionet dan. Terwijl iedereen zijn eigen auto voor één pakje versus één camionet voor 1000 pakjes. Hè. Dus oké, dat betekent wel, we moeten daarin corrigeren. Dat is een probleem. En dat zal onder meer vooral ook betekenen inderdaad dat je een prijsmechanisme moet hebben dat redelijk is. Dat je niet moet kunt verwachten dat als je vandaag iets besteld hebt, dat dat morgen is tegen de dergelijke lage prijs. Je suis aussi en sympathie avec les éditeurs belges. Qui demande que l'on interdise la notion de livraison gratuite, eux visent l'aspect livre. Mais donc, oui, les libraires ont souhaité, et c'est normal, on vit dans un pays où en fait on ne peut pas vendre à perte, et on nous annonce livraison gratuite. C'est un peu bizarroïde. Oui. Je pense que chaque service devrait être vendu pour ce qu'il. Doit au minimum couvrir ses coûts. Et en plus, effectivement, l'énergie, l'essence devrait être plus chère. Steph Prost, qui est un excellent chercheur dans ces questions de mobilité et d'environnement de la KU Leuven, montre qu'en fait, on paye plus ou moins un prix correct pour son essence si on roule le dimanche soir, et encore pas quand on vient de la mer, mais parce qu'il y a, quand il y a absence d'embouteillage. Mais que la donne change. Et donc, ces camionnettes qui roulent en ville du lundi au samedi et même le dimanche, on considère ça comme un progrès. En fait, pas du tout. Elle paye beaucoup trop peu. Donc oui, c'est une hérésie et ce serait un petit geste que nous pourrions faire, mais la planète ne se contentera pas de ce geste-là, mais faisons-le. En tout cas, Jeff Bezos a peu de défenseurs ici autour de la table.
Je ne sais pas s'il est dans les gens qui nous regardent, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Nog twee vragen, hè? En als jullie nog vragen hebben, uiteraard niet aarzelen. Ik stel alle vragen. De typische communautaire vraag, hè, het wordt tijd, hè, 6:10. Is er zo'n groot verschil tussen Noord en Zuid qua aanpak van die budgettaire orthodoxie in de mate dat orthodoxie trouwens nog moet? Hè? Wat is uw mening, meneer Van der Kloot? Er is een verschil in gradatie, maar niet per se in de diepere kwaliteit van in betere uitvoering, overheidsfinanciën. Ja. Wij hebben een poging gedaan in Vlaanderen om alle uitgaven door te lichten. Ja, Wallonië doet het ook. Die oefening heeft opgeleverd dat we nog begrijpen dat we daar nog heel veel werk hebben. En dat de politiek, ja, we kunnen wel oefeningen maken, maar de politiek durft niet. Hè. Ze is een beetje bang voor zijn eigen schaduw. En dat is een soort vaststelling die echt wel onze tijd typeert. Politici hebben vandaag weinig leiderschap, maar ze kijken constant achterom naar wat willen de mensen of van waar komt de wind. Die worden wel gekozen ook, ja. Soms moet je natuurlijk ook een visie hebben en leiderschap. Ja. En dat betekent, ja, op dat vlak, men gaat wel een aantal maatregelen sneller nemen in Vlaanderen, maar echt in de diepte zorgen dat het systeem structureel beter functioneert. Daar hebben we even goed problemen mee in Vlaanderen als in de andere regio's. Une grande différence, vous avez connu aussi les choses de l'intérieur, hein. On l'a vu encore ici dans les discussions budgétaires, l'Open VLD a dit on veut 3 milliards, le PS a dit on veut 1 milliard, finalement on est à 2,4 on va dire, grosso modo, donc on est même plutôt du côté élevé de la fourchette. Il y a une telle différence dans les faits, enfin, vous disiez tout à l'heure, monsieur de Calataille, que ce n'était pas aussi évident que ça. Je ne crois pas dans la volonté partagée de la NVA de mener une véritable politique. Et les Wallons aident M. De Wever à se présenter comme étant discipliné sur le plan budgétaire, ce qu'il n'est pas. Il ne l'a pas montré, mais ils ne l'ont pas montré en 2014 et 2018. Les de la communauté flamande ne sont pas à ce point luxuriantes. Et donc, il n'a pas montré une propension à la discipline budgétaire. Mais il apparaît sage en comparaison de ceux qui sont moins sages. Et c'est, Keynes parlait d'un concours de beauté à propos des milieux financiers. Bah, ici, je ne sais pas si c'est un concours de laideur, mais c'est sûr que la communauté française de Belgique et la région Wallonne, plus la région Bruxelles-Capitale, eh ben, en comparaison, M. De Wever apparaît comme sage sur le plan budgétaire. Donc ça, c'est une première observation. Mais je vais quand même, parce qu'on n'a jamais répondu à ma question là-dessus, on a chaque fois passé à autre chose, mais on a vraiment un problème gigantesque du côté francophone, effectivement, duquel on risque de ne même pas sortir sans demander de l'argent aux Flamands. Si demain, Standard & Poor's, Fitch ou Moody's nous disent, on pense que ça va dans le mur, ben, c'est ce qu'on appelle une prédiction autoréalisatrice. C'est ça, donc on va diminuer le grating, excusez-moi, le mot à cette heure-ci ne me venait plus, la cotation, merci Ivan qui connaît le mot en français. Donc si on diminue la cotation, qui est déjà un tout petit peu moins élevée, je pense, que les autres, ça peut vraiment être très très dommageable. Ça, c'est une première réflexion que j'aimerais me faire sur la situation de nos finances publiques. La deuxième réflexion, c'est que quand on est dans une situation où il y a une région riche à côté d'une région pauvre, faisons un parallèle entre l'Allemagne et la Grèce. En fait, en Allemagne, beaucoup d'Allemands se sont plaints de la Grèce, pensant les Grecs, c'est des fardeaux, c'est des gens qui sont en obas, etc. Mais c'était voir qu'une partie de la réalité. L'autre partie de la réalité, c'est que les Allemands ont gagné en compétitivité du fait de la présence de la Grèce. C'est grâce à la Grèce que l'euro ne s'est pas envolé là où il se serait envolé. Si l'Allemagne était restée seule, le taux de change de Deutsche Mark aurait été tout simplement insupportable pour la compétitivité des exportateurs allemands. Et donc les Allemands, en fait, ils ont été très contents de vendre beaucoup de voitures allemandes à Athènes et d'avoir un taux de change qui était très compétitif. Ça, j'ai jamais entendu ça, c'est génial ça. Donc ils devraient remercier les Grecs. Voilà, ils ne l'ont pas beaucoup fait. Mais parce que, en fait, effectivement, aujourd'hui, ça ne leur a pas coûté beaucoup pour avoir une compétitivité externe grâce à ça. Ah non, l'Allemagne en stand-alone, c'est. Oui, on a la France, par exemple, qui est en train, enfin, qui est quasiment au niveau de l'euro. Qu'est-ce qui se passe? On a la Banque centrale suisse qui, pour lutter contre l'appréciation continuelle du franc suisse, qu'est-ce qu'elle fait? C'est a priori un pays un peu sérieux, un peu conservateur, un peu prudent dans son management public. C'est avec le Japon, autre pays a priori prudent,
l'autre grande banque centrale qui achète massivement des actions. Vous n'avez jamais vu ça dans un manuel d'économie, ça m'intéresse de le lire. Moi, je n'ai jamais vu que le rôle d'une banque centrale, c'était d'acheter des actions. Pourquoi est-ce qu'ils achètent des actions? Parce qu'en fait, ils achètent des actions de quoi? De tout, sauf de sociétés suisses. Hein. Ils vont acheter des actions de sociétés principalement européennes, non suisses, enfin de la zone euro, parce que comme ça, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des euros. Ils vendent du franc suisse, donc ils font pression sur le change, et donc ils réorientent. Pour faire monter l'euro? Ah ben, pour empêcher effectivement l'appréciation continuelle du franc suisse. Maar ik maak toch een beetje een andere lezing. Ik bedoel, als uiteraard in Duitsland zijn er ook veel minder conservatieve en minder voorzichtige mensen, maar de voorzichtige Duitser die weet heel goed dat het veel beter was geweest als de euro wat geapprecieerd had. Of dat hij, want nu hebben ze heel veel verkocht aan Griekenland en dat zijn leningen die nooit niet afgelost zullen worden. Dus men heeft zich een periode rijker geacht aan gedacht. Het appreciëren, het duurder maken van uw munt is een gezond correctiemechanisme die ervoor zorgt dat er geen ontsporingen ontstaan. En dan heb je het verschil tussen de imprudente Duitsers en de prudente Duitsers. En de imprudente Duitsers die zeggen, alles is goedkoop en de rente blijft laag. En terwijl de prudente Duitsers, maar misschien zijn ze ook vandaag al in de minderheid geworden. Ik weet, de Duitse vrienden die ik vroeger had, die zeiden, wij lenen niet voor het kopen van een wagen. Voor een huis wel, maar ook een belangrijk stuk niet. Daar sparen we ook voor. En dat is ook een cultuurevolutie. De Duitsers, of ze op de lange termijn er baat bij hebben om dit soort kortzichtig beleid mee te stemmen, mee te goedkeuren, dat is een belangrijke discussie binnen Duitsland. Et entre-temps, ça fait des années que l'Allemagne accumule un surplus de sa balance commerciale de l'ordre de 8% du PIB, ce qui est en excès du maximum autorisé par l'Europe qui était à 6%, qui était déjà, on pensait jamais on atteindrait ça, ils sont à 8%, les Hollandais font encore mieux à 10%. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon pour eux, 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 c'est bon. Zonder zo'n lage wisselkoers voor de euro zou ik niet van 8% spreken, maar van 2-3% misschien, maar niet meer. Dat is niet gezond. Dat is een ziekte in het Duitse systeem. En die is niet duurzaam. Dus de duurzame. Op korte termijn leuk, maar voor de lange termijn een probleem. Et donc, pour traduire ça dans le paysage institutionnel d'Elgo-Belge, je pense que d'une part, la Flandre, effectivement, a à souffrir d'avoir des politiques, notamment en matière de gestion du marché du travail, qui sont tirées par des conceptions francophones dans lesquelles je ne me retrouve pas. Mm-hmm. Et je peux comprendre la colère de néerlandophones, et notamment de patrons, qui à court 13 disent, enfin, comment est-ce que c'est possible? Moi, si je parviens pas à recruter du personnel, il y a des Français qui se présentent, mais il n'y a personne de Tournaisie qui vient se présenter. C'est vrai que c'est difficile à expliquer. Donc je on pense, y travaille, on y travaille. On y travaille, mais lentement. Et, lentement, mais c'est, que, effectivement, ça fait 20 ans qu'on le dit et qu'on n'arrive pas à... Et donc, je peux comprendre que l'avocat dise non, ça... on comprend ça. Ce n'est pas un déficit de solidarité qui est en cause ici. Donc, ça, je comprends bien. Donc, la Flandre a à souffrir de cette situation wallonne et d'être tirée vers le bas. La Belgique est le seul pays d'Europe à encore pratiquer l'indexation automatique des salaires comme nous le pratiquons. Tout ça parce que c'est principalement demandé du côté francophone. Je pense que c'est donc la Flandre a à souffrir de devoir continuer à appliquer des mesures fédérale. Vous n'êtes pas très pour l'indexation des salaires Moi, je suis pour si elle est mondiale ou en tout cas européenne. Mais qu'une petite économie ouverte comme la Belgique se permette d'avoir une indexation alors que tous les pays avec lesquels elle commerce ne la pratiquent pas, ça ne se pratique pas en Allemagne, ni en France, ni aux Pays-Bas. Ça fait trois quarts de notre commerce extérieur, ces trois pays-là. Ouais. Et en fait, là, vous tirez une balle dans le pied. Et on corrige une erreur avec une deuxième erreur. Voilà, on corrige une erreur avec une deuxième erreur. Ah bon, pourquoi? En we riskeren daar echt in de mist te gaan, in problemen te komen, dat we dezelfde fouten herhalen van de jaren 70. Toen men, als de energiekosten internationaal duurder wordt, als de olie duurder wordt op de wereldmarkt, dan is dat een verlies in koopkracht van de Belgische natie. Wij moeten dat betalen, wij moeten dat importeren. En op korte termijn betalen we die rekening. Het enige wat politici kunnen beslissen is naar wie verschuiven we die factuur. Maar door te zeggen aan de bevolking, we indexeren de lonen, wel dan denk je inderdaad als politicus, en niet op de lange termijn. Want dan als je op de korte termijn zegt je de mensen, ja dat is positief, want jullie lonen stijgen, maar op de lange termijn wordt arbeid kapot gemaakt. En dan gaan we massawerkloosheid hebben als we de fouten herhalen van de jaren 70.
En ik hoop altijd dat de mens in staat is om te leren uit zijn fouten. Maar soms zijn we heel hard leerzaam zijn. Voilà, et ce qui est certain, c'est qu'au niveau, par exemple, du gouvernement Vivaldi, un seul parti demande la non-indexation des salaires, c'est l'OpenVLD. Hein. Tous les autres sont pour la continuation du système CDNV compris et également l'EMR. Alors, remarque du public. Hein, remarque du public, Christian, zegt, er wordt terecht veel aandacht besteed aan de klimaatproblematiek. Aan de klimaatproblematiek, bedankt Christian. En heeft ook een vraag. Ligt een van de effectieve goedkoopste oplossingen voor de CO2-reductie niet in de regeneratieve landbouw, herwilder van natuur en herstel van biodiversiteit. Dank u voor de moeilijke woorden. Waar is Christian? Waar is Christian? Christian, ja, Christian, ja, wat op afstand dan. Okay, mijn beste vriend is uit de politiek gestapt. Hij was woordvoerder van een partij en hij is in de regeneratieve landbouw gestapt. Hoe zegt u? Regeneratieve landbouw. Dus, iemand kan het toch zo mooi zeggen. En in elk geval, dat is belangrijk. Dat zijn hoopvolle signalen. Maar ons landbouwproces is nog altijd heel industrieel. Maar wat is het? Landbouw, wat is het? Dat is niet zo eenvoudig. Daar moet je eigenlijk heel veel, eigenlijk moet je al zeggen, vertrekken van wat is er eigenlijk oorspronkelijk hoort bij ons klimaat en bij onze leefomgeving. En dan ga je dus bijvoorbeeld, maar dat is eigenlijk, dat gaat maar heel technisch worden hoor, maar dan ga je naar een kip moeten gaan. Dat is eigenlijk een heel complex wezen, een kip. Dan moet je effectief kunnen discussiëren over wat is de netto CO2-uitstoot. En hij is hij doet weidekiekens, noemt hij dat. Dus hij heeft kippen die op de weide zitten, dus die niet in een hok zitten. Want de kip is een bosdier oorspronkelijk in Vlaanderen en in Wallonië. En dus dat is eigenlijk het herstellen van het natuurlijk evenwicht. Maar de discussies worden heel vaak verkeerd gevoerd. En dat toont hoe complex de zaken zijn. Vaak wordt er gezegd, vlees eten is slecht voor het milieu of voor de CO2-uitstoot. Wel, de balans, als je helemaal rekening houdt van, maar wat gaan we dan in de plaats rekenen en van waar komt dat dan? Gaan we dat dan moeten importeren? En zoals het vandaag, de status quo vandaag is, als we vandaag niet de koe of het varken van eigen land eten, maar het moet graan of avocado uit Brazilië zijn, dan is het veel vervuilender. Dus we gaan daar echt wat men noemt zogenaamde levenscyclusanalyses over moeten maken. Dat is hetzelfde voor bepaalde hernieuwbare energie. Je moet niet alleen kijken van vanaf dat ding daar staat, of het nu een biomassacentrale is of iets anders, creëert het dan nog CO2, maar ook bij de bouw van die installatie en bij de afbraak van die installatie. Dus we moeten de rekeningen goed maken. Dus er is nog veel werk voor al de mensen die vandaag school lopen, want wij zullen heel veel knappe schoppen hebben, om die rekeningen goed te maken. En zo snel mogelijk, zoals meneer de Calata zei, dus regeneratieve landbouw. Oké, minstens één keer ben ik daarin geslaagd om het correct uit te spreken. Autre question pour vous, alors, monsieur de Calataille, une question de Xavier. Existe-t-il encore un lien entre la masse monétaire et l'inflation? On a créé beaucoup de monnaie, disiez-vous. On en a beaucoup créé d'ailleurs cet an dernier, surtout 2008-2009 et encore maintenant. Quid? Donc, on pourrait croire effectivement au fait que la Banque centrale, ces dernières semaines, a été très accommodante et que ces dernières semaines, l'inflation se soit accélérée, qu'il y ait un lien de cause à effet entre le premier phénomène et le deuxième. Hein. Donc, c'est la vieille vue. Parce qu'effectivement, on a beaucoup créé, vous confirmez. Et comment est-ce qu'on enseignait ça usuellement aux étudiants? C'était la chose suivante. Vous êtes Mobutu, la population n'est pas très contente. Vous dites, j'aurais besoin davantage de stabilité intérieure, donc traduisez, j'ai besoin de plus de soldats, il faut que les soldats me soient fidèles, donc je vais augmenter le traitement, la solde des militaires. Vous augmentez le traitement des militaires, comment est-ce que vous faites? Vous faites imprimer un peu plus de billets dans les caves de la Banque centrale, et le lendemain matin, vous appelez les soldats et vous leur distribuez à tous un peu plus de billets. Avec ce billet, ils rentrent chez eux, ils se présentent au marché à Kinshasa ou ailleurs et ils achètent ce qu'ils ont acheté. Mais il n'y a pas plus de poulet à vendre sur le marché de Kinshasa qu'il n'y en avait hier ou avant-hier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Simplement, le prix du poulet augmente. Voilà comment on explique la théorie quantitative de la monnaie de Milton Friedman à un étudiant dans un début de cours. Donc, il ne faut pas créer de la monnaie sur cette base-là. On dit voilà. Donc, mais pourtant, on le fait, et ça a l'air miraculeux. Ça a l'air miraculeux, et c'est miraculeux parce que pourquoi maintenant ça a changé alors?
Voilà, donc l'idée, c'était de dire on a pu enterrer Milton Friedman, parce que ça fait 20 ans que le Japon pratique une politique monétaire ultra accommodante et qu'il n'y a toujours pas de traces d'inflation au Japon. Donc, on a déclaré Milton Friedman mort et enterré. C'est ça. Donc, qui disait en impôt, l'inflation est toujours un phénomène monétaire. D'accord. Et donc, il est mort, il est enterré. Et puis maintenant, il y a des gens pour dire, ah non, mais finalement, en fait, peut-être qu'il aurait quand même eu, c'était juste une question de patience. Et là, moi, je m'inscris en faux en disant, non, je pense qu'il est réellement mort. Que s'il y a une résurgence d'inflation, c'est pas parce qu'il y a eu un peu plus de billets qui ont été imprimés que le bilan des banques centrales a fortement monté ces dernières années. Il y a tout lieu de penser que si ça avait dû être l'explication monétaire pour l'inflation, nous aurions eu une résurgence d'inflation déjà hier ou avant-hier. Pourquoi, excusez-moi, vous me posez la question, parce que c'est absolument passionnant, hein, parce qu'on parle tout le temps de ça, et finalement, on en parle de façon parfois totalement incompréhensible, et vous allez, et Ivan aussi, hein, pouvoir nous l'expliquer, mais pourquoi justement cette fois-ci, il n'y a pas eu ce problème à cause de cette masse qui a monté, ce problème d'inflation, et que l'inflation, s'il y a, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le miracle, là? Qu'est-ce qui s'est passé comme deux explications pour répondre à cela? C'est d'une part dire que l'argent n'a pas circulé comme il aurait dû circuler précédemment. Ça c'est une chose. On l'a trop retenu, on l'a trop. C'est ce qu'on appelle la vélocité dans notre jargon d'économiste, et que donc il y a une formule. Si vous imprimez beaucoup de billets, on imprime beaucoup de billets le 1er janvier. Et qu'on les garde. Puis vous le gardez toute l'année. Ouais. Alors, ou bien il y a peu de billets, mais vous me le donnez parce que vous achetez quelque chose chez moi en mars, et puis moi je vais en avril chez un autre vendeur qui lui-même va s'approvisionner en mai. On était plus raisonnable, quoi. On a un peu plus épargné et on a moins consommé. Voilà, donc ça c'est une première chose que l'on peut mettre en avant. Une deuxième chose qu'on peut mettre en avant, c'est une fuite dans le prix des actifs. Avec cet argent, ben, on voit le prix de l'immobilier ou le prix des actions. Qui lui a augmenté. Voilà, donc beaucoup. Ça, c'est une autre manière de faire. Ouais. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que nous sommes dans un environnement qui a des forces désinflationnistes. Hein, donc, il y a un tour de vent contraire. Tout ce qui relève de la globalisation a été une force de désinflation. Parce qu'on a pu faire venir de pays bon marché des produits qui autrement étaient produits plus chers chez nous, pensez notamment aux articles textiles. C'est ça. Donc ça a été un facteur. Est-ce qu'on est arrivé au terme de cette force de désinflation liée au commerce international? On peut le penser. Mais est-ce qu'on est arrivé au terme de toute force de désinflation? Je ne le pense pas. Il y a notamment le progrès technologique qui va vraisemblablement, du fait de la COVID, connaître une accélération. En fait, nous allons connaître vraisemblablement des gains de productivité que nous n'aurions pas eu avec la COVID. Pensez au voyage d'affaires. La COVID fait que demain, on se posera la question de savoir est-ce que ça vaut la peine d'envoyer tel collaborateur à telle réunion internationale ou pas. Hier, on aurait pu le faire, la technologie existait déjà hier, mais ce n'était pas dans les mœurs, ça ne se faisait pas. Donc, quand on ira, ce sera plus malin, ce sera vraiment plus rentable. Ik weet niet of Milton Friedman, als hij hier vandaag was, zou zeggen dat hij dood is. Hij zou gewoon zeggen, er waren tegenwinden. Er was de globalisering, er was 1 miljard Chinezen die op de markt zijn gekomen, die vroeger op landbouw op het veld zaten, en die hebben de wereldaanbod gigantisch verruimd. Maar de vraag is, blijft dat zo? Vandaag zitten we met... We hebben eigenlijk sinds de financiële crisis een deflatoire druk gehad van heel veel Chinees aanbod, maar nu zitten we met inflatoire druk vanuit China. Ja. En dus de dingen die tot vandaag niet gebeurd zijn, kunnen misschien morgen wel gebeuren. Ok, ben on verra. Alors, il nous reste que 3 minutes. On va essayer de se tenir au temps parce que voilà, 18h30, c'est un peu une frontière. 3 minutes pour parler de Thomas Dermine, hein, c'est peu parce qu'il mérite plus. Mais la relance, hein, j'avais dit qu'on en parlerait, on en a un tout petit peu parlé. On est bien là, on va vraiment s'en sortir. On a un plan qu'on revoit un petit peu. 6 petits milliards, enfin plus la Belgique et les régions qui mettront de l'argent. Qui commence à se faire. Bonne qualité, ça ne parle pas de quantité. Van het beleid, maar de kwaliteit van het beleid. Daar hebben we een aantal kansen gemist, dat hebben we besproken, maar dat betekent niet dat we dat nog voor een stuk kunnen corrigeren. Dat betekent, we gaan nu veel dingen uitproberen. Het zijn eigenlijk vaak experimenten, ook in onderzoek en ontwikkeling. Maar dan is het heel belangrijk dat je dat evalueert. Dus een beleidsevaluatie. Weten is meten. Weten is weten. Dus en dan effectief, als dingen niet verstandig zijn, ook op tijd stoppen en het geld verschuiven naar de zaken die wil werken. Dus eigenlijk het goed managen van de relance. Mm-hmm.
Mme est bien partie. Bah, il a fait partie ses études en Flandre, d'ailleurs, également aux États-Unis. On peut espérer que c'est pas mal. Il faut se réjouir que des gens vous de cette aussi, qualité-là oui. se lancent en politique, ce qui Oui. est un métier extrêmement ingrat. Donc, tant mieux. En fait, il est la victime de quelque chose qui est en fait rassurant. Je continue dans mes oxymores. En fait, qu'est-ce qui se passe? Imaginez un quart d'instant que nous aurions eu plein de très, très bons projets d'investissement qu'on aurait laissé on the shelf, qu'on n'aurait pas activé. On aurait été con. Excusez-moi d'être si... Il n'y avait pas tant que ça, finalement. Et donc, en fait, imaginez qu'il y avait énormément de super bons projets qu'on ne faisait pas. Non, ça, il n'y a pas. Les projets qu'on ne faisait pas, c'est qu'ils n'étaient pas si convaincants. C'est qu'ils n'étaient pas si bons. Et donc, en tout cas, tout, il faut faire plein de gros projets parce qu'il faut relancer l'économie, mais on va chercher des projets qui ne sont pas si bons que ça. Ce n'est pas miraculeux, c'est juste un. C'est plutôt rassurant. J'aurais préféré, je préfère ça, à me dire, mais en fait, pendant 20 ans, il y avait des super bons projets. Bien sûr qu'il fallait rénover le palais de justice. C'était une évidence écologique, économique pour le fonctionnement de la justice. Alors, un projet qui avait toutes les qualités et on était assez bête pour ne pas le faire. Et maintenant, on devient intelligent. Non, ce serait plus inquiétant. Je préfère continuer de penser que si ce n'est pas un bon projet de le faire, le palais de justice, ça ne reste pas un bon projet de le faire. Je ne me prononce pas sur. Je suis incapable de me prononcer, de savoir si c'est un bon projet ou pas. Mais par exemple, sur le métro, le pré-métro de Charleroi ou le tram de Liège, là, j'ai plus mes convictions. C'était des mauvais projets. On hésitait à le faire. Maintenant, on va le faire. Ben, ça reste de mauvais projets. Donc, malheureusement, dans cet arsenal de projets qui sont activés, il y a forcément que la qualité n'est pas très bonne parce que s'ils si avaient été bons, on l'aurait déjà fait. Voilà. Faisons tous un effort pour faire de bons projets. On non, va le dire comme ça. Quoi, ça veut dire on va que conclure. Ça ne viendra pas de l'investissement public. Alors, faisons de l'investissement. Donc, relançons tous autant que nous sommes à notre niveau. On est scandalisé quand on voit l'état de certaines écoles, quand on voit nos enfants qui doivent aller dans des toilettes à l'école qui sont indignes des fenêtres qui ne ferment pas. Donc, il y a des investissements publics à faire. Mais la transition, la relance, elle ne viendra pas d'abord et avant tout de l'investissement public. Ça viendra donc de nous. Merci beaucoup, Hartelijk dank. Iedereen, het was absoluut boeiend. Fantastisch, dank voor jullie vragen. Een heel prettige avond. Dank ook aan de organisatoren. Tu me signes un last word, Mme Dupont? Mais voilà, les organisateurs n'ont même pas de dernier mot, tellement ils ont trouvé que c'était bon. Mais moi, je dis dank aan de organisatoren. Dank u, dank.